Mais bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour le live numéro 10. Voilà, on est arrivé au numéro 10 des lives de l'étrange et aujourd'hui on va parler cryptozoologie et cryptides célèbres d'internet. Comme d'habitude, on est avec Pierre de la Grotte Chaude qui est aux manettes, qui va s'occuper de la régie, de vous parler, de voilà, on est tous ensemble. Pierre de la Grotte Chaude, du coup, également partenaire de l'émission, je le rappelle, hein, qui a un ciné-club qui diffuse toujours plein de choses. T'es sur quoi en ce moment, là? C'est quoi le... Je suis sur quoi en ce moment? Là, j'ai un peu réduit le programme, mais dimanche, on a Rock Ula. c'est un vampire qui est amoureux d'une fille qui se réincarne tout le temps, vu que lui il est éternel et il a pas ce problème. Ouais. Et à chaque fois elle meurt et il faut qu'il la sauve. Il faut qu'il arrive une fois à la sauver. Mais le film se passe dans les années 90 et dans les années 90, ça promise. Et dans le monde de la musique, du coup, ce vampire va devoir se lancer dans le monde de la musique pour la séduire. Et ce sera dimanche à 16h. Dracula Rockstar, dimanche à 16h sur le Twitch de la Grotte Chaude. L'équipe de modérateurs, si vous pouvez mettre le lien de la Grotte Chaude, je vous remercie. D'ailleurs, merci aussi à l'équipe de Modo qui fait comme toujours un super travail. Et je suis également avec Obscurosity qui va nous présenter une petite chronique tout à l'heure sur les cryptides également. Cryptides et cabinets de curiosité. Absolument. Voilà, on va parler très rapidement. Je vais pas m'étendre, mais quand même un grand merci pour votre soutien sur la campagne, parce que mine de rien, on a dépassé les 30 000 et on va arriver presque aux 35 000, le cap bonus et ultime. Incroyable. C'est complètement fou. Il y a un live spécial vendredi, donc c'est pour ça que là je vais pas m'étendre. Vendredi 21h, on fait un live spécial. On va vous régaler. Il y aura plein d'invités avec une super surprise à minuit. Et croyez-moi, c'est une surprise plutôt de taille. Ça va vous plaire. J'en dis pas plus. Mais quand même, voilà, vraiment un énorme merci. Je suis très reconnaissant que vous me fassiez confiance, que vous nous fassiez confiance sur ce projet. Croyez-moi, vous serez pas déçus. Et ça fait du bien d'avoir cette fenêtre d'expression en quasiment totale indépendance, parce que mon éditeur nous a laissé carte blanche. Donc merci de soutenir la création indépendante. Voilà, vraiment, je voulais commencer par ça. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et on va se donner. Et du coup, vendredi, on fêtera ça tous ensemble. Mais sans plus tarder, on attaque le sujet du jour qui est chargé. Alors voilà comment ça va se passer. Je vais introduire le sujet avec une petite chronique d'intro. Ensuite, je passe les commandes à Obscurosity qui va nous parler de sa chronique. Ensuite, on accueille l'invité Cédric Jurassic, youtubeur, vulgarisateur scientifique en paléontologie, qui va réagir avec moi sur certaines affaires de cryptozoologie. Il fait une super chaîne, en plus c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est très sympa, donc on va passer un bon moment ensemble. Pareil, je laisse le soin au modérateur de partager sa chaîne YouTube. Et pour finir, on terminera avec Pierre qui nous a également préparé une petite chronique sur un cryptide et il s'est donné là. Tu m'as dit, t'as doublé des vidéos, t'as fait les voix, tu vas nous régaler là. Non, j'ai simplement traduit un reportage avec ma voix, mais voilà. On en reparlera tout à l'heure. Voilà, vous découvrirez ça avec nous pour clore l'émission. Donc, la cryptozoologie. Alors, selon la définition du Larousse, la cryptozoologie est l'étude scientifique d'animaux dont l'existence est contestée. Alors, les plus connus sont le monstre du Loch Ness ou le Yeti, mais ça englobe tout un tas d'animaux différents. La racine étymologique du mot nous vient du grec ancien et signifie littéralement « étude des animaux cachés ». Il y a Bernard Heuvelsmann, qui était docteur belge en sciences et considéré comme cofondateur avec Yvan Terence Sanderson de la discipline, qui l'a décrit, lui, comme, je cite, « l'étude scientifique des animaux, cachés donc, soit des formes animales ou encore inconnues pour lesquelles sont seulement disponibles des preuves testimoniales, donc de témoignages, ou circonstancielles, ou bien des preuves matérielles considérées comme insuffisantes par d'aucuns. » Donc, c'est-à-dire... des cryptides sont donc des animaux cachés dont l'existence n'a pas encore été formellement prouvée avec des preuves irréfutables. La démarche est donc, de la cryptozoologie, est donc d'identifier, classer et mettre en évidence l'existence de certains cryptides. En 1999, Bernard Heuvelsmann a déposé toute l'entièreté de sa documentation et de ses archives, parce qu'il a passé une vie à accumuler une quantité d'informations absolument gigantesque. Au musée de zoologie de Lausanne en Suisse, donc il a tout donné à ce musée, et il y a le grand JD qui a d'ailleurs consacré une vidéo au sujet, si vous l'avez pas vu, c'est une vidéo qui est vraiment top, et je vous ai préparé, j'ai extrait un petit extrait de sa vidéo pour justement que vous puissiez un peu découvrir à quoi ça ressemble ces archives, et comment elles sont conservées au musée. Pierre, je te laisse la diffuser. C'est parti. Voilà, entrée seulement,
Donc là, on y est. Là, on y est. On est en fait dans la collection Hövelmans. D'accord. C'est incroyable de se dire que c'est la plus grande collection au monde de cryptozoologie et qu'elle se trouve en Suisse. Donc là, on est arrivé à l'intérieur. Voici à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup de témoignages, d'écrits, de récits et sa collection personnelle de livres, de recherches. Et il y a aussi des objets qu'on peut toucher. Des choses qui sont en rapport avec ce qu'il a pu découvrir ou ses enquêtes. Écrit et ramasser des tas de... collectionner en fait des tas d'images, de dessins. Les félins encore inconnus d'Afrique, 1989, c'est inédit. Et ça c'est super connu, je crois que c'est la photo la plus connue dans les années 90, c'était très connu cette photo. Le fameux Bernard. En tout, dans ce fond, il y a 25 000 dossiers et ça représente 50 ans de travail. Avec en plus ses chroniques et les livres de philosophie scientifique, on a là un travail gigantesque. Voilà. Donc voilà un petit peu, je vous invite à aller voir sa vidéo complète. Pareil, si les modos peuvent la passer, n'hésitez pas. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est vraiment une super vidéo synthétique qui vous présente très bien la discipline sous un regard hyper intéressant, du coup, vu qu'il a vraiment eu accès à ses archives et il nous embarque vraiment dedans. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est que même si elle ne fait pas forcément consensus auprès de la communauté scientifique, c'est une approche qui est pluridisciplinaire, elle est décrite, enfin la méthodologie elle croise à la fois la zoologie, la paléontologie justement, ou encore la paléoanthropologie, etc. Mais il y a aussi une approche qui peut être davantage sur un plan psychologique, ethnologique ou même mythologique. Donc le tout donne des enquêtes, mais également des récits qui étendent le champ des connaissances, et en ça, c'est le chemin parcouru et le savoir accumulé que je trouve beau là-dedans, selon ma simple opinion de curieux, justement. D'ailleurs, ce live, c'est avant tout une ouverture sur le sujet, qui est, comme on l'a dit, très vaste. On sera donc pas exhaustif ce soir, hein, parce que moi, la cryptozoologie, je l'ai découverte il y a plus de 15 ans, grâce à Internet et aux images de cryptides, et également aux faux cryptides véhiculés. Entre canulars, véritable affaire intéressante et escroquerie, la cryptozoologie mêle tellement d'affaires différentes qu'on pourrait penser qu'elle n'est qu'une affaire curieuse, une pseudo-discipline sensationnelle. Et je voulais donc faire cette courte introduction pour montrer que, non, si on écarte les grandes affaires à tabloïd, c'est une discipline à part entière. Mais pour ce live, on va surtout parler des cryptides d'Internet et un petit peu d'authentiques cryptides quand même. Les plus célèbres comme le Yeti ou le monstre du Loch Ness mériteraient des vidéos à part entière, du coup on va pas les évoquer ce soir, parce que faire le tour du sujet nous demanderait quand même beaucoup de temps et beaucoup plus de préparation. Et du coup, pour parler des cryptides ce soir, on accueillera tout à l'heure Cédric Jurassic, mais avant ça, je passe la main à Obscurosity pour sa chronique. Ouais. 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 Ouais, et bah... Personnellement, je n'y connais pas grand-chose aux cryptides. Je m'entends en écho, c'est terrible. Ouais. J'y connais pas grand-chose en cryptides et en cryptozoologie, hormis ce que tu as dit. Donc, il s'agit d'études d'animaux fantastiques, considérés en tout cas comme fantastiques, mais qui pourtant pourraient bel et bien se cacher dans les recoins du monde encore inexplorés ou méconnus. Et après tout, en fait, ça semble pas être une idée si incongrue, si déraisonnable que ça. D'ailleurs, en 2019, comme le rapporte le National Geographic, il y a 71 nouvelles espèces qui ont été découvertes, rien qu'en 2019. Bon, en fait, on sait qu'il s'agit plus probablement de nouvelles classifications en fait d'espèces qui étaient déjà pour la plupart connues mais qui viennent perfectionner un petit peu notre connaissance du monde vivant. Mais en regardant des êtres aussi curieux et fascinants que le dragon bleu des mers par exemple. J'arrive, vous inquiétez pas. il arrive le dragon bleu, excusez-moi. Voilà, je l'ai. Qui est une sorte de petit Stitch marin, vraiment trop mignon. Ou encore l'Aïe-Aïe. J'arrive. Voilà. Qui est un lémurien aussi mignon que flippant. Ou encore le Pacu. Alors, je sais pas si ça se dit Pacu ou Pacu. Je pense que ça se dit Pacu, sinon c'est gênant. Qui est juste un poisson à la dentition. Ah, mais qui ressemble vraiment à un truc humain. Non, mais ça existe vraiment. C'est pas un montage. D'accord. C'est vraiment un poisson qui a cette dentition-là. Et franchement, quand on voit ces animaux, on se dit que notre réalité n'a pas grand-chose à envier aux monstres légendaires. Je sais pas vous, mais moi, je me suis toujours dit que, franchement, les girafes,
Enfin, je sais pas, mais t'imagines quelqu'un qui a jamais vu de girafe et tu lui racontes ce que c'est qu'une girafe. Tu dis, mais... Non, tu vois, ça, c'est un animal qui n'est pas censé exister, c'est trop chelou. Donc les cryptides, finalement, de notre monde à nous, eh ben, elles existent bien. Mais c'est pas vraiment ce dont je vais vous parler ce soir, parce que moi, la cryptozoologie, pardon, j'y connais pas grand-chose. Par contre, ce que je connais bien, c'est les cabinets de curiosité. Vous commencez à le connaître maintenant. Et en fait, de tout temps, dans les cabinets de curiosité, on a exposé des cryptides merveilleuses, des espèces alors inconnues parfois, ou un tas de chimères qui ont été fabriquées de toutes pièces pour le plus grand plaisir des amateurs d'étranges. Si vous connaissez les cabinets de curiosité, vous savez qu'un des incontournables de tout cabinet de curiosité, eh ben, c'est la corne de licorne. En fait, à la Renaissance, il faut bien s'imaginer que la licorne, c'est un animal qui n'est pas plus improbable que le dauphin ou le rhinocéros, par exemple. D'ailleurs, on a tellement peu vu de dauphins à l'époque qu'on le représente souvent comme un poisson à tête de chien. Là, c'est un écusson, un blason qui est au château de Vincennes. Vous voyez peut-être pas très bien, mais on voit deux dauphins qui entourent le blason et qui sont vraiment avec des têtes de chien. Il faut bien s'imaginer qu'à cette époque-là, quand on décrit un dauphin, bah on dit c'est un poisson avec une sorte de tête bizarre et bah ça va donner ce genre de représentation qu'on trouve beaucoup dans l'art médiéval et dans l'art de la Renaissance. Qui est quand même assez curieux. Et le rhinocéros, lui, il a été très mal représenté pendant des dizaines d'années, si ce n'est plus, à cause d'une gravure de Dürer, le très célèbre artiste, une gravure que personnellement j'adore. Et en fait, cette gravure, elle est truffée d'erreurs, parce que l'artiste, il se basait sur des descriptions textuelles. On dirait qu'il a une armure de chevalier. C'est totalement ça. En fait, le rhinocéros, alors je sais plus exactement, c'est un rhinocéros particulier, mais il n'était pas connu en Europe à cette époque-là. Il y a des gens qui ont été en Afrique qui ont vu cet animal, qui ont essayé de le décrire, et Dürer, il nous pond ce truc complètement improbable. Et en fait, les artistes après Dürer, ils vont être tellement imprégnés par cette image parce qu'elle a fait le tour de l'Europe, que même quand ils vont faire des descriptions, des dessins avec le rhinocéros sous leurs yeux, et ben ils vont continuer de faire des erreurs qu'on retrouve dans le dessin de Dürer. Et ça, je trouve que c'est incroyable quand on voit la puissance des images, en fait, tout simplement. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, le rhinocéros, en fait, il semblerait que ce soit l'animal qui soit probablement le plus à l'origine du mythe de la licorne, puisqu'en Grèce antique, en fait, on vendait les cornes du rhinocéros en tant qu'authentique corne de licorne. Bref, pour en revenir aux cornes de licorne dans les cabinets de curiosité plus spécifiquement, en fait, il s'agissait de ce que vous savez sûrement, en fait, de cornes de narval. C'est un animal marin qui est vraiment très impressionnant aussi. On n'a pas trop envie de se retrouver en face de ces sortes de monstres marins. Alors oui, aujourd'hui, on peut l'appeler narvalo, mais bon, ça n'a pas tout à fait le même sens. Il y a des gens qui font ça. Et mais narvalo, c'est pas... narvalo, aujourd'hui, c'est pas... L'expression du sud, non c'est... C'est... Narvalo, c'est... Narvalo, c'est fou, un truc comme ça. C'est pas dans le sud qu'on dit narvalo pour... Ouais, bon, bref. Ne l'appelez pas narvalo, sinon les gens ils vont pas bien comprendre. Et je tiens à dire que c'est quand même mon tips personnel. Si vous jouez au petit bac et que vous cherchez un animal qui commence par N, bah le narval, c'est super, parce qu'on a toujours vachement mal à trouver un animal qui commence par N. Bref. Donc la corne de licorne, en fait, c'est la dent du narval. Donc c'est une sorte de défense qui sort de sa mâchoire supérieure et qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long, ce qui est franchement ultra impressionnant. Je sais pas si vous en avez déjà vu en vrai. En plus, elle est toute torsadée, c'est super beau. Et c'est sans surprise que lorsque les premiers marins ont commencé à en ramener de leurs expéditions, on l'a tout de suite associé à la corne de licorne, et on y associe tout un tas de pouvoirs magiques. Donc notamment celui de guérir la peste, ou encore de détecter les poisons. Alors, spoiler alert, ça ne marche pas du tout. Un autre incontournable des cabinets de curiosité, c'est, en outre le crocodile accroché au plafond que tout le monde connaît, qui peut représenter la magie, ou l'ésotérisme, ou l'exotisme, ou encore la victoire du bien sur le mal, un autre
incontournable, c'est les Jenny Anniverse. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? Pas du tout. Non. En fait, c'est des petites créatures, quand je vais vous les montrer, je pense que vous avez déjà vu ça. C'est des petites créatures qui ont d'abord été prises pour des dragons momifiés, et puis qui sont devenues très célèbres encore à la Renaissance, en tant que véritables sirènes. Mmh. Ah oui, mais exact. C'est un gremlins. Alors moi, ça me fait franchement penser à des petits gris, quoi. Des petits aliens, ouais, ouais. Je les vois. Si je dois me faire une idée de ce que pourrait être un extraterrestre, ça ressemble à ça dans mon esprit. Et donc, du coup, c'est vrai que l'effet de pareidolie qu'on a sur le dessous de cet animal nous fait voir un visage très net dans cette petite bête marine. Mais pourtant, mmh. Comme vous vous en doutez, c'est pas vraiment une sirène. Hein, je suis désolée de casser le mythe. En réalité, ce sont des taxidermies de raies guitares. Attends, alors. Donc voilà, ça, là c'était pour vous montrer gueule, ouais, un peu plus près le visage qu'on peut y voir. Hein. Et de loin, ça ressemble à ça. En fait, il a quand même l'air un peu contrarié. Oui, de ouf, on dirait un emoji, quoi. Je le trouve super mignon. Et en fait, quand on le taxidermise et qu'on le découpe d'une certaine manière, on va finir par faire croire à un monstre des mers. Mais en réalité, quand il est taxidermisé de manière normale, ça ressemble plutôt à ça. Donc on voit que sur les images qu'on a vues avant, on lui fait des sortes de petits bras, des sortes de petites pattes, et on accentue son côté anthropomorphe, on va dire. Et de cette légende des Jenny Anniverse, on peut aussi en lier un autre cryptide qui est pas très connu, mais qui a fait grand bruit à l'époque. C'est celui des moines des mers. Je l'adore. On l'appelle aussi l'évêque marin. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Ouais. Donc l'évêque marin, en fait, c'est censé être un poisson monstre qui est en habit d'évêque et qui date encore une fois de la Renaissance. Donc on le décrit comme, je cite, « un monstre merveilleux, un poisson en tout point comme un homme, comprenant le langage des hommes sans le parler, portant les attributs d'un évêque, et notamment la mitre et le chasuble. » Et en fait, les interprétations quant à ce drôle d'animal, elles peuvent être très nombreuses. En fait, on pense forcément à une critique de l'Église, paraît assez logique, surtout qu'à cette époque-là, en fait, on est en pleine réforme protestante, donc on pense à une critique de l'Église catholique. Mais il y a d'autres personnes qui y voient aussi des références à l'alchimie ou à l'hermétique, qui est des disciplines occultes un peu spécifiques. Et si on veut être un peu plus pragmatique, en fait, on peut s'imaginer qu'il s'agirait d'une confusion avec les animaux marins comme le dugong, qui est une sorte de petit lamantin trop mignon. Alors, on arrive avec le dugong, le voici. Donc c'est un espèce de monstre des mers, entre guillemets, dans le sens où c'est vraiment un animal très très impressionnant, très très large. Et bon, pour les évêques, c'est pas forcément un portrait beaucoup plus reluisant. Hein. Il y a un éléphant croisé avec un tapir. C'est un peu ça, je pense que c'est... On dirait gros chat aussi. Tout ce qui est lamantin, éléphant de mer, toute cette famille-là, bon, je connais pas très bien, mais on peut s'imaginer que c'est des personnes qui ont vu ce genre d'animaux et qui ont pu le décrire de manière un petit peu erronée. Et puis, il y a aussi d'autres personnes qui avancent qu'il pourrait s'agir d'une confusion avec une sorte de raie qui s'appelle la pastenague marine et qui, en fait, vu de dessous, aurait à peu près la même forme que le dessin que je vous avais montré au tout début, qui est à l'origine en fait du mythe. Et en fait, la pastenague marine, elle s'appelle en Italie le poisson évêque. Donc, il y a toujours des liens qui sont faits assez rapidement, quoi. Les connexions se font. Donc, toutes ces créatures, elles vous font aussi peut-être penser à quelque chose qui est assez connu aussi pour les amateurs, qui s'appelle la sirène des Fidji. Ouais. Et qui naît, qui est un monstre qui a été inventé par Monsieur Barnum lui-même. Franchement, ce mec me fascine. Il est juste incroyable dans tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et en fait, qui aurait été un montage taxidermique entre une tête de singe et un corps de poisson. D'accord. Ça ressemblait à peu près à ça. Et finalement, c'est quelque chose qui va finir par réellement
finir dans les collections de certains musées, ce que je trouve assez incroyable, alors que ça a été inventé de toutes pièces, bah, juste pour faire raquer les gens dans les fêtes foraines, quoi. Ouais. Et bah, si ça vous intéresse, au sujet de la sirène des Fidji, il y a un article du Bizarreum qu'elle a fait sur son blog, qui est vraiment super et qui vous apprend plein plein de choses. Donc si vous avez envie d'aller vous renseigner sur la sirène des Fidji, il y a plein de choses à trouver. Et en fait, ce principe de montage taxidermique, c'est quelque chose qui est encore fait aujourd'hui par certains artistes contemporains. Par exemple, Thomas Grünfeld, qui fait ce genre de choses. Bambi mutant. Ah oui. Ou encore Kate Clark. Kate Clark. Ah, voici le travail de Kate Clark. Ah ouais, c'est des espèces de chimères, en fait. Après, c'est ça, c'est des chimères taxidermiques. Oula. Et oh, je sais pas vous... Absolument. Ah, c'est sinistre, ça. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est des œuvres qui sont très perturbantes. Ouais, et c'est des choses qui sont dans les cabinets de curiosité contemporains, aujourd'hui, qu'on retrouve assez souvent. Celle-ci, je l'avais jamais vue, mais... Il y a plusieurs artistes qui font ce genre de choses, des artistes taxidermistes qui font ce genre de choses, et je trouve que c'est... Bah, comme tu dis, c'est un nightmare fuel, et c'est... ça a un appel à un imaginaire et ça a un côté très dérangeant qui personnellement me plaît énormément, quoi. Ouais, il y a le côté un peu va être l'étrange avec le visage humain et sur un corps un peu animal et tout. Absolument. Je pense que c'est, enfin, je me suis pas très bien renseignée sur c'est le. C'est l'autre hein, surtout qui est. Ah ouais. Celui-là. C'est terrible. Mais vous pouvez aller regarder sur internet. Il y a plein de choses. Ouais, c'est bizarre. C'est fantastique. Ah. Et puis finalement, dans les cabinets de curiosité, il y a aussi la présentation de spécimens tératologiques. Oui, oui, j'y arrive. Donc je vous ai mis une image, je vous ai mis une gravure pour pas vous mettre d'image, pour pas choquer les âmes sensibles, mais vous pouvez aller voir sur Google pour ceux qui connaissent pas, ou vous pouvez aller quand les musées rouvriront dans la galerie paléontologique du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris où il y a toute une galerie tératologique qui est fantastique. Pour ceux qui veulent un peu de frissons, mais âme sensible, s'abstenir hein, quand même, parce que c'est pas facile à voir. La tératologie, c'est littéralement l'étude des anomalies génétiques, et forcément, eh ben, ça a créé des cryptides bien réels. Mais du coup, ce que vous êtes en train de nous dire, Manon, c'est qu'on peut voir cette créature en vrai au musée ? Et bien pire. Ah, d'accord. Et figurine, on dirait la créature de l'arme de pan, là, celle avec les yeux comme ça. En fait, c'est tout simplement un bébé qui est cyclope, quoi. C'est une anomalie génétique, ça arrive finalement plus souvent qu'on ce qu'on pense. Où en fait, t'as qu'un œil au lieu de deux. Ah oui, c'est un d'accord. Œil. Je l'avais pas vu comme ça. Je voyais vraiment, on dirait deux c'est bouches. C'est un fœtus cyclope. Vous avez la légende qui est en dessous. Pour le nom des pathologies plus spécifiques. Donc, dans cette galerie au muséum, vous avez des bébés dans le formol, les agneaux à deux têtes. Enfin, c'est vraiment la galerie. Tchernobyl. Voilà. Mais c'est super intéressant. C'est un côté esthétique quand on a le cœur bien accroché qui est vraiment, vraiment incroyable. Et je voulais juste finir là-dessus, en fait, parce que vous commencez à me connaître un peu maintenant, je pense, le côté scientifique et tout ce qui peut être attrait au paranormal, mais qui a un ancrage bien dans notre réalité, moi, ça me fascine. Et finalement, les monstres, eh ben, il faut pas forcément aller chercher dans les légendes pour les trouver. Donc voilà, les cabinets de curiosité, c'est toujours super pour ça. Et si vous aimez les cabinets de curiosité, on a une campagne en ce moment. Voilà, c'est trop du marketing. Mais oui, en soi, c'est jusque vendredi soir, 23h59. Mais merci pour ta super chronique. N'hésitez pas à la follow sur Instagram, Obscurosity. Moi, je voulais rebondir, parce que c'est pas dans le sujet de ce soir, mais effectivement, c'est quand même un gros pan aussi de la cryptozoologie. Ce sont les gens qui jouent justement des cryptides ou des espèces d'animaux chimères pour les exposer dans des espèces de musées itinérants. Il y a tout un business qui a été créé autour de ça. Parce que c'était un peu attractif, sensationnel, et c'était aussi entretenu par les médias. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, la plus récente étant le Diable de Jersey, où pareil, on voyait que le Diable de Jersey, c'était devenu tellement diffusé qu'il y a des gens qui pareil, disaient « Ah, venez à telle date, on a réussi à le capturer, on l'expose », et en fait... Tout ça, ça alimente énormément l'imaginaire collectif. Et absolument. L'exemple que tu as pris avec le rhinocéros en armure, on voit très bien que des fois, même des erreurs d'interprétation contribuent
à alimenter l'imaginaire collectif. Et ça rejoint, du coup, c'est cool, je trouve que ça rejoint un peu mon introduction qui est ce que j'aime, c'est voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est vraiment tout le chemin parcouru et voir aussi comment un cryptide secret est transformé. C'était mon idée. Plus que de savoir est-ce qu'il est réel ou pas. Bon, ça, c'est le bonus. Absolument. Pour la science, quoi, on va dire, mais. Mais en fait, encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est si on cherche, ils sont réels, quoi. Ça dépend qu'est-ce que tu appelles cryptide, mais. Trouver des animaux complètement fantastiques, t'as l'impression qu'ils existent jamais de la vie, en fait si, bah sous plein de formes en fait tu peux les trouver. Je trouvais ça intéressant. Il y a un truc que j'aurais adoré aborder, je pense pas qu'on va l'aborder ce soir parce qu'on parle de cryptozoologie, mais en fait il y a la cryptobotanique et vraiment j'adorerais faire un point là-dessus un jour parce que je l'ai découvert un petit peu en m'intéressant. Et bah cryptobotanique c'est la même chose mais avec les plantes et du coup tu peux avoir des plantes oui. Absolument monstrueuses. Ça pourrait être l'objet d'un autre live ou d'une vidéo. Hein. C'est ça. C'est franchement c'est super cool si ça vous intéresse tout ça. Franchement la cryptobotanique il y a de quoi faire quoi. Moi ça me fait aussi penser enfin. Pour finir là-dessus, à tout ce qui est fondation SCP, quoi. Au final, c'est l'espèce d'entité qu'on essaie de catégoriser. Enfin, ça crée tout un imaginaire. Et d'ailleurs, Alt236, pour ceux qui connaissent, ça fait une merveilleuse vidéo, ceux qui connaissent pas, sur toute la fondation SCP. Et je trouve que ça rejoint un peu la thématique. Donc pareil, si vous voulez creuser, vous pourrez aller voir. Absolument. Il va être 21h30, on est pile dans les temps, c'est parfait. Je pense qu'on va accueillir du coup Cédric Jurassic. Ouais. Qui a le lien, qui va nous rejoindre sous peu. Je vous invite les modérateurs à pareil, rebalancer sa chaîne. N'hésitez pas, si vous connaissez pas son travail, à vous mettre un petit anglais à aller regarder. C'est un youtubeur vulgarisateur scientifique qui du coup parle de paléontologie. Beaucoup de dinosaures, mais pas que. Il essaye de vulgariser ça de manière intéressante et intelligente en parlant beaucoup de pop culture aussi. Donc il a une approche qui est assez facile d'accès. Et ses vidéos sont sympas et ses formats sont très cool. Donc et là, je pense que ce soir, on va avoir pas mal d'échanges sur toutes les affaires qu'on a prévues. Hop. Je le préviens juste par message vu qu'il y a un décalage avec le live. Oui. Sur les affaires de ce soir, on va parler de la bête du Gévaudan, de la bête des Vosges, du Mossman, du Reich, du Chupacabra et ensuite on élargira. Donc j'ai fait un petit C'est un vaste programme. On a fait un mix, voilà. J'ai fait un mix avec des cryptides d'internet vraiment très connus et des créatures un peu plus ancrées dans le réel sur lesquelles il y a eu beaucoup de documentation. Voilà, on est sur quelque chose d'assez divertissant, assez léger. Des sujets dont j'ai parlé déjà sur ma chaîne. Il est là, il est là, je le vois, il est beau. J'arrive. Je me vois aussi. Putain, la chance. Hello. Ouais. Ça va, Cédric? Ça va, ça va. Je t'ai bien présenté ou tu veux compléter? Je n'ai pas écouté. Ah bah bravo. J'ai dit youtubeur vulgarisateur scientifique en paléontologie, voilà, et tu fais plein de vidéos cool pour schématiser en gros. Bon bah ça me va alors. Ça te va. Paléontologie et animaux encore existants, comme ça va permettre plus de choses, on va dire. Ouais. Avant de rentrer dans les affaires, je voulais juste avoir ton avis toi sur la cryptozoologie, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que pour toi c'est une discipline intéressante? Comment tu vois le truc un peu toi? Intéressante, oui, de toute façon, bon, je peux pas dire que c'est pas intéressant. Après, je suis plus ancré dans le réel, donc forcément, ça me parle moins. Mais il ouais. Y a certaines choses concrètes. Là, on parlait tout à l'heure de la cryptologie, c'est chercher à prouver l'existence de telle ou telle bestiole. Ben, c'est arrivé en 1901, parce que quand les premiers explorateurs sont arrivés en Amérique du Sud, et que les peuplades du coin parlaient d'une bestiole un peu bizarre, on venait un petit peu à la girafe, de trucs qui se baladaient dans la forêt avec des cornes sur la tête, et en fait ils se sont rendus compte que c'était l'okapi, tout simplement. Ok. Voilà, c'était ça, c'était de la cryptozoologie avant, et après on l'a découvert. Et je vais chercher à quoi ressemble un okapi. C'est trop mignon un okapi. Ça me dit un truc, l'okapi, j'ai oh, c'était un magazine, oui, pour les enfants. Oui aussi. Oh oui, tu le connais, c'est adorable. Ah oui, on dirait, ouais. Il est un peu zébré en plus. Hein. C'était le dernier grand animal découvert, on va dire, parce que c'est en 1901. Ouais. Après, on en trouve souvent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en 2019, je ne sais plus combien d'espèces, mais c'est souvent des petites, des invertébrés. Oui, c'est ça. C'est des trucs marins qui doivent déjà être là, mais qu'on n'a pas eu l'occasion. C'est ça. De bien classer.
Ok, bah écoute, ouais, je pense que moi je suis sensiblement. Alors moi j'aime plus aussi le côté imaginaire que ça ouvre la cryptozoologie, mais effectivement c'est vraiment voilà la démarche de découvrir de nouveaux animaux et les classifier aussi qui du coup fait. Je trouve que le pont entre à la fois science et imaginaire et légendes urbaines est hyper intéressant. On va parler de la bête du Gévaudan pour commencer. Alors la bête du Gévaudan, moi j'en avais déjà parlé sur la chaîne très très rapidement, en 2-3 minutes. Je l'introduis ou tu veux en parler d'abord, Cédric, ou je l'introduis et on en discute ou... Vas-y, introduis la bête si tu veux, parce que de toute façon, à la base, je m'y intéressais pas du tout, et bah, tu m'en as parlé. Et il y a FL Reptile qui se trouve dans le chat là, qui a écrit un article très bien que je t'ai envoyé d'ailleurs, Ouais. qui est sorti d'ailleurs dans une revue scientifique. Du coup, ça va beaucoup nous être utile. Absolument, ouais, on en parlera après, qui explore des pistes extrêmement intéressantes. Bah, du coup, la bête du Gévaudan, alors, la France, elle a eu, à la manière de nombreux pays, sa propre créature monstrueuse qui a terrorisé les populations. Du 30 juin 1764 jusqu'au 19 juin 1767, elle. Et la bête du Gévaudan, on va dire que c'est vraiment la créature la plus emblématique. Elle a eu ses adaptations en film dans le cinéma français. Il y a eu le Pacte des Loups. Enfin, il y a eu. Elle a Il vraiment. y a surtout eu le pacte des Il y a loups. surtout le Pacte des Loups, mais elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué l'imaginaire collectif en France et même encore aujourd'hui. Sur Internet et dans la pop culture web, on va dire, c'est, on va dire, la créature emblématique. Et celle qu'on cite le plus, quoi, parce qu'on pourra aussi parler du Dahu un peu à la fin, mais c'est un peu plus désuet, alors que la bête du Gévaudan, elle a toujours gardé ce petit côté un peu magique. Donc en gros, c'est une bête hein, qui s'est lancée du coup pendant 3 ans dans des attaques répétées, et généralement mortelles contre les habitants du pays du Gévaudan, qui est donc, enfin, c'est un ancien pays qui est, enfin, l'ancien pays du Gévaudan, qui est l'actuelle Lozère, ça correspond aujourd'hui à la Lozère. Il y a eu beaucoup beaucoup de débats sur l'origine de la bête. Déjà, est-ce que c'était qu'une seule bête, est-ce qu'il y en avait plusieurs? Elle était inconnue. Et on la décrivait tour à tour comme soit une créature légendaire, soit un loup, soit même un loup-garou, ou encore un tueur en série, quoi. Voilà, est-ce que c'était même le premier tueur en série de l'histoire? Le premier cas qui a été rapporté remonte en juin 1764, lorsqu'une vache qui est rentrée dans son village se fit attaquer parce qu'elle dé... Non, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Oula! Je me suis, j'ai eu une erreur de script, mais la Tu première me veux que je semble. lance un jingle? Non, non, la première me semble-t-il qu'elle s'appelle Jeanne Boulet. La première victime, enfin humaine en tout cas, s'appelle Jeanne Boulet. Oui, voilà, le 30 du même mois, une jeune fille âgée de 14 ans, Jeanne Boulet, fut retrouvée égorgée par la bête. Il s'agissait du coup de la première victime d'une grande série. Alors, au niveau des chiffres sur les victimes au total, ça dépend. Il y en a qui disent qu'il y en a eu environ 84, Wow. dont une centaine de blessés. D'autres qui disent que ça va jusqu'à 124 recensés. Il y a plusieurs sources Mais là-dessus. what? Putain, je savais Ah oui, pas du non, tout. Pour moi, il y avait quatre pélos qui s'étaient fait mordre par un loup, quoi, mais... Non, non, c'était non, c'était assez. C'était plutôt. Attends, ils ont appelé des Indiens. Moi, j'ai vu le film avec Marc Dacascos. Ils ont fait venir des Indiens et tout pour battre la bête. Donc, non, c'était un truc balèze quand même. Ouais, c'était plutôt préoccupant comme bête. Bon, je connais pas du tout. Et bon, voilà, le nombre de victimes a varié, mais du coup, effectivement, il est assez conséquent dans tous les cas. Il y a la presse papier qui a beaucoup écrit aussi sur la bête. Donc, vraiment, tout le monde a commencé à s'emparer un peu de l'affaire et à en avoir peur. Il y a eu une ampleur énorme, et il y a des mythes du coup qui se sont créés aussi et qui ont même grossi les traits de cette fameuse bête pour la rendre encore plus irréelle, parce que déjà on avait du mal à l'identifier, mais en plus à mesure que ben, justement les écrits nourrissaient sa figure et son mythe, on l'a rendue de plus en plus irréelle. Mais en tout cas, dans tous les cas, l'identité de la bête du Gévaudan a été pendant longtemps un mystère. Alors, on dit que les gens pensaient qu'il s'agissait d'un loup. Mais c'était pas vraiment un loup au niveau des enfin de tout d'abord c'était pas forcément un loup quand on reprend les témoignages. Il y a des témoins qui la décrivaient comme une bête avec, je cite, une très grosse tête, des flancs rougeâtres avec une bande noire. Tu peux passer aussi les images que tu as de la bête J'arrive, au passage. je ne me souvenais plus que j'avais des images de la bête. Alors tout au long du dos, une queue bête du Gévaudan. une queue qui est à la fois vu avec des pattes larges et également munies de grandes griffes. Donc voilà, ça c'est une des figures très connues de la bête du Gévaudan pour la représenter. Alors, il y a eu beaucoup de débats sur les loups,
Et ce qui fait dire au début que les gens hésitaient avec un loup, c'est que jusqu'au 19e siècle, les loups se trouvaient quand même sur 90% du territoire. Hein. Et les paysans, eux, ils savaient faire la différence avec un loup et une bête qu'on ne connaîtrait pas. C'est quoi. Ça, même si c'est un gros loup, a priori, il n'y a pas de raison qu'ils prennent ça pour une bête particulière. Voilà, quoi. Donc c'est pour ça qu'au début, c'est ça aussi qui fait qu'il y a eu beaucoup d'hésitation. Et cela dit, et en plus, enfin, on a ensuite au niveau des traces écrites, on a les actes de sépulture de chaque victime qui précisaient qu'ils avaient bien été tués par la bête féroce, mais du coup non identifiée. Donc là, vous voyez, il y a les différentes représentations qui sont passées. Certaines peuvent un peu faire penser à une espèce de hyène. Enfin, vous voyez, il y a vraiment d'autres marquent vraiment un loup, mais avec quand même des variations là. Côté du rhinocéros de tout à l'heure, ça va en fait. Il n'a pas l'air de l'or. C'est ça, il n'a pas encore d'armure. Là, c'est un kangourou un peu. C'est un peu réinterprété. Ouais. C'est vrai qu'avec une armure de plate, il aurait pu être tout saillant. Ah, du coup, comme on l'a vu, les représentations et les gravures au XVIIIe siècle, c'est pas... Alors, il n'y a pas que au XVIIIe siècle, parce que je vous rappelle, je ne sais pas si vous avez vu le film justement avec Marc Dacascos, mais il a une armure aussi dedans. Enfin, la créature a une armure... Il y a des pics partout. Ah, on est bien au rhinocéros, du coup, voilà. Voilà, non, mais oui, c'est... Écoutez, il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais, je pense que la créature avait une armure. C'est clair. Enfin, du coup, voilà, elle a vraiment imprégné l'esprit des gens et qui en avaient vraiment peur. Il y a eu beaucoup de battues pour la traquer, la créature, sans succès. Et cette dernière, elle se déplaçait quand même sur une zone vraiment, vraiment large, quoi. Elle terrorisait les petits villages, les habitants, quoi. Comme Michel Fourniret. Excusez-moi. Aussi. Bah, on parle de tueur en série. Non. Et heureusement. À l'époque, les connaissances en matière de faune, elles étaient encore assez réduites. Et les gens se laissaient facilement influencer par leurs croyances qui grossissaient les traits de leurs témoignages. Surtout que, on est quand même à l'époque dans des zones extrêmement rurales. Donc, entre les informations qui se diffusaient pas instantanément comme aujourd'hui, les bruits de couloirs, les on-dit, etc., c'était assez compliqué de vraiment comprendre à quoi ils avaient affaire. Alors, aujourd'hui, du coup, il y a eu beaucoup d'études sur le sujet. Il y a le musée d'histoire naturelle de Paris qui dit notamment que l'animal faisait partie de la famille des canidés. D'ailleurs, il y a un registre d'autopsie qui a été fait après la mort de l'animal en 1767 qui donne des indications assez précises sur l'anatomie de l'animal. On identifie notamment les similitudes musculaires de la gueule avec les canets corso. Il y a aussi une hypothèse avec une hybridation avec un chien légionnaire qui aurait été ramené... Qu'est-ce qu'un chien légionnaire ? Alors là, c'est un chien dressé pour la guerre, quoi, parce que justement, il a été ramené du front de guerre à 7 ans. Donc, on voit ce qu'on arrive à faire avec des croisements pour avoir des chiens énormes, genre c'est lesquels les chiens qui sont immenses, je sais plus comment ça s'appelle. Aujourd'hui, les premiers croisements de chiens pour avoir des races de chiens, ça date de la Renaissance, donc ça correspondrait. Ouais. Comment ça s'appelle ce gros machin là, que j'ai déjà croisé une fois. Oui, c'est des. J'ai le nom aussi. Moscou, un truc vraiment très grand. Berger allemand ? Non. Des bergers belges. Ouais, berger allemand, je sais plus. Berger allemand, c'est énorme, ça fait, c'est vraiment au garrot. C'est, berger ça fait... allemand, c'est ah ouais, ouais, ouais. Non, non, mais il y a vraiment des. J'en avais un quand j'étais petite. C'est vraiment. Genre, vraiment, il est énorme le truc. Le truc, c'est un cheval. Non, mais vraiment, quand tu pisses, c'est un cheval quoi. Et quelqu'un dans le chat aura sûrement le nom. Du coup voilà, on a eu pas mal de précisions. On commence un peu à en savoir un peu plus sur la bête. Il y a également Jean-Claude Bourret entre autres chercheurs qui a fait une reconstitution anatomique assez précise de la bête. Il y a eu beaucoup de théories. On dit aussi que la bête aurait pu être un croisement entre un loup. C'est un dog allemand le nom. On cherchait un dog allemand. D'accord. Un bouvier bernois. Ah oui, il y a ça aussi. Bouvier bernard. Bernois. Mais en vrai, les canets corso, c'est pareil, c'est gigantesque, quoi. Bon, bref. Pardon. non, mais en vrai c'est intéressant, je m'y connais absolument pas en race de chien, tu vois, donc c'est pour ça. Également, c'est vraiment impressionnant. On fait peur. Les plus gros que j'ai dû voir, en vrai, c'était des gros chiens, déjà. J'étais un peu étonné qu'ils pouvaient avoir cette taille, donc effectivement, ouais. T'as pas trop envie de t'y frotter. Enfin, non, bon. Ça.
Oui, du coup, il y a eu aussi des théories, un croisement entre un loup et un chien, plus précisément de race mâtin, ce qui aurait pu correspondre à la description inhabituelle de la bête, du coup. Cependant, il y a eu aussi des questionnements, parce qu'on dit que les victimes étaient majoritairement des femmes et des enfants, et que certains ont été retrouvés égorgés, voire même déshabillés. Il y a donc beaucoup de gens qui estiment que la nature des blessures suppose une intervention humaine et que les attaques systématiques contre les humains rendent le tout encore plus suspect, quoi, parce que je crois que c'est quand même assez rare, Ah, même dans attendez, le... je crois que j'ai trouvé la bête. Ah! Elle est là. On voit l'œil du prédateur, hein, vous voyez bien. Ah ouais, non, Bon, je mais vais le là c'est reposer, féroce l'œil là. Bah ouais, ça fait... mais même nous on a peur, ça fait flipper là. Bouge pas mon truc de casque! Avec l'évolution au fil des siècles, elle s'est un peu assagie quand même là. Elle a Ah l'air oui, toute ben mignonne, voilà les l'homme. effets de l'évolution contrôlée, voilà, maintenant. Bah, c'est bien, Et on a des envie bouts de verre, quoi. On a envie de lui faire des câlins maintenant. Et du coup, voilà, enfin, il y a d'autres détails par rapport aux victimes qui laissaient supposer qu'il y avait eu une intervention humaine, d'où aussi beaucoup de gens qui parlaient de peut-être que c'était le premier tueur en série de l'histoire, peut-être qu'un homme a dressé la bête qui du coup Ouais. aurait pu être un Moi, c'est croisement pour Vincent la Cassel, pousser j'ai à vu le tuer. film. Excusez-moi. Oui, du coup, c'est cette théorie qu'on prend le pacte des loups, notamment. Mais j'avoue, c'est pas l'une des théories les plus solides aujourd'hui de dire que c'était un hybride de chien-loup dressé par un homme? Et bah, Un humain? justement, même encore aujourd'hui, Alors, hybride alors. chien-loup, c'est possible, oui, ça existe encore, mais contrôlé par l'humain, ouais. Bon. Bah, s'il y a plus de chiens que de loups, ouais, pourquoi pas, mais. Bah, même Ou c'est les loups, juste on un peut les film dresser quand d'horreur même. C'est bah a priori, enfin le alors l'hybridation, je sais pas, mais il est probable, enfin selon certaines théories, il est probable que la bête ait été dressée à tuer, quoi. Après, enfin en tout cas moi c'est une théorie que je trouve assez intéressante, et ben du coup c'est pas étonnant qu'elle a inspiré pas mal de fiction. Dans les théories du serial killer, on évoque le nom de Jean Chastel, qui est officiellement reconnu pour avoir. Alors il y a aussi une histoire avec deux bêtes, on l'explorera tout à l'heure. Mais lui, normalement, il est reconnu pour avoir officiellement tué la bête, parce que les crimes cessèrent après la mort de l'animal qu'il a tué. Et on pense même du coup que ben c'est Chastel lui-même qui pourrait être lié à ces meurtres, tout simplement parce qu'il fut emprisonné en 1765, ce qui correspond à un bref arrêt des meurtres, mais également parce que lorsque Chastel a tué la bête, cette dernière apparemment fut passive et se laissa faire, comme si elle était en confiance ou qu'elle connaissait Chastel. Cela dit, il n'y a aucune preuve tangible hein, qui pointe dans cette direction, malgré le fait qu'il y ait des suspicions. Et ce qui est sûr, c'est que le mystère derrière la bête du Gévaudan cache peut-être une intervention, enfin ce qui est sûr, elle cache en tout cas peut-être une intervention humaine au vu de l'ampleur des dégâts causés par la bête. Parce que c'est vrai que dans les. Alors, même dans. Je suis pas grand grand connaisseur là, c'est vraiment une question que je lance, mais même aujourd'hui dans les attaques. Alors déjà, si on la rapproche à un loup ou à un chien, mettant que les chiens errants ou les chiens ou les loups Là, il y a le vont. cas de la meuf qui s'est fait bouffer par son hirsch, là, Curtis. Alors, ouais, alors ça, c'est. Oui, Ça, mais c'est. là, Ouais, mais les. Ouh Alors, là, on les. a oublié le Bon, ça c'est en plus, c'est une affaire en cours et c'est pareil, sujet, c'est non? lié à débat. Il y a des gens qui disent Mais que les oui, mais chiens étaient bon, on maltraités. sait Enfin, pas. tu... Mais c'est surtout que en dehors de ça, il me semble bien que les loups, en fait, ils attaquent pas l'humain. Enfin, il y a. Bah, Je... étant donné qu'il n'y en a plus que 40 en France, ça va être compliqué, En je plus. pense. Mais en fait, on Mais. m'avait parlé une fois il y a longtemps, je ne sais pas si tu pourras corroborer cette théorie, mais que les loups avaient peur de la verticalité. Parce qu'ils avaient été tellement chassés par les hommes que globalement c'était un peu rentré dans leur culture, entre guillemets, dans le sens de apprentissage, que dès qu'il y avait quelque chose qui était vertical, ils avaient tendance à avoir peur et à reculer plutôt que d'attaquer. Que du coup, si on m'avait dit, genre, si tu croises un loup, en fait, il faut pas te recroqueviller, mais plutôt essayer de se faire le plus grand possible parce qu'ils vont avoir peur. Je Ok. sais pas si c'est vrai. Alors, je sais pas si c'est la verticalité, mais c'est juste ouais, le fait de paraître plus grand que tu l'es normalement, comme beaucoup d'animaux font. Oui, pareil qu'il y a ça aussi pour les ours, non? Ouais, enfin, Ouais, certains types voilà, d'ours, ouais. parce que t'as, enfin, les grizzlies, t'es foutu quoi qu'il arrive, je crois, mais il me semble que les. Je sais plus si c'est les ours bruns, ouais, pareil, il y a cette idée de verticalité pour avoir l'air un Moi, tu peu peux plus voir, grand. hein. Tu te face à un ours, tu vas pas essayer de. Je sais Ouais, pas, non. mais. Tu vas avoir du sang-froid, mon ami. Hein. Un loup, ça va, un ours, bof. Un ours, c'est Ouais. moyen. Ouais. En général, il faut faire le mort, je crois.
Je sais pas. J'ai pas envie d'essayer. Non. Ça dépend les types d'ours. T'as trois ours. Je crois que t'as l'ours brun. Ça va à peu près. Enfin, ça va. C'est le grizzly qui est horrible, non? Bon, le grizzly, t'es mort. Hein. Parce qu'en plus, ça grimpe aux okay, arbres. Oui, même si tu fais le mort, c'est pas grave. Il va te bouffer juste pour plaisir. Ouais, non, c'est compliqué. Heureusement qu'on a pas d'ours. Ah non, je serais pas sûr. Si, on en a aussi, mais on a pas des mâles. Oui, il y en a des ours en France. Hein. Ouais, y en a. Métro Stalingrad, il y en a parfois. Hein. Des ours? Non, mais arrêtez de relever ce que je dis. C'est pour jamais, on nous aurait caché des ours urbains. Bon, soit. Donc voilà, Pardon? Là, on lançait sur les attaques qui ont vraiment été documentées. Ça me rappelle, je sais pas si vous avez vu, il y a même eu un film sur deux lions qui avaient foutu un beau bordel. C'était dans les années 1800, mais je sais plus exactement, on a fait un film. En fait, c'était deux lions qui étaient réputés pour aimer un peu trop la chair humaine. Ouais. Ça a été avéré, en fait, c'était vraiment deux lions qui avaient pris goût à la chair humaine et du coup qui suivaient la construction d'une voie de chemin de fer ou je sais plus quoi, et du coup qui venaient... Bah, déglinguer les mecs le soir dans leur tente. Ouais, en France? Non, c'était au Niger, je crois. Ah ouais, parce que je me suis dit, les lions... Non, il y a eu des lions en France, mais bon, il y a un petit moment, hein, il n'y avait pas encore de gravure ou quoi que ce soit. Hein. Ouais. Mais en vrai, ça peut être une super théorie de se dire que c'est un animal peut-être que les gens ne connaissaient pas, parce que, je sais pas, peut-être qu'il s'est échappé de... Bon, il n'y avait pas trop de cirque à l'époque, mais... De je sais pas où, de quelqu'un qui aurait fait une expédition et qui aurait ramené des animaux exotiques, plus ou moins exotiques. Aussi, ouais. Je sais pas lequel. Comme ce très mauvais épisode d'X-Files avec le. C'était quoi non, c'était, plus jamais, c'était plus jamais. Un loup en plus, un loup importé de Chine, une espèce éteinte. Avec les yeux rouges. Bref. Bref. Je sais pas, on peut imaginer qu'il y avait quand même certains naturalistes à l'époque qui commençaient à entreprendre des voyages pour aller étudier certains animaux. Je sais pas exactement, mais peut-être que certains ont été ramenés dès le 18e siècle. Et que ça aurait pu être une bête échappée que les gens ne connaissaient pas et que du coup bah forcément c'est un monstre et qui n'étant pas dans son état naturel s'est mis à chasser les humains quoi. Je vois aussi pas mal dans le chat le truc de la hyène. Alors il y a eu des hyènes en France, hein, ah bon des trucs balèzes, ouais, mais il y a très très longtemps, hein, qui tenaient le froid aussi, parce que nous, enfin quand on pense aux hyènes maintenant on pense à celles d'Afrique et du coup bah, qui vivent dans la chaleur. Mais non, il y en a eu en France aussi, des sacrés morceaux. Mais pareil, elles ont disparu il y a un bon moment, donc ça peut pas trop être ça, à moins qu'elles aient réussi jusque-là. Mais ouais, les attaques de hyènes en Afrique, c'est pareil, c'est un peu comme on décrit la bête du Gévaudan, c'est les femmes et les enfants, enfin on va dire des victimes supposément plus faciles qui s'éloignent un peu du village, et puis ouais. Bon, voilà, ça se passe. Hein. Comme en Inde, les jaguars et tout, qui attaquent pareil... Ouais, c'est ça. En fait, la perspective entre guillemets sociologique de la typologie des victimes, elle peut s'expliquer aussi par le fait que c'était peut-être dans des zones précises où c'était pour aller laver le linge. Voilà. C'était plutôt oui. Des enfants et des femmes qui allaient dans ces zones précises. Et c'est pour ça que ça a été des victimes privilégiées. Parce que il me semble qu'il y a quand même eu des hommes. Certains hommes se sont fait attaquer dans les bois. J'ai pas le décompte, mais de manière générale, oui, la bête, en tout cas, ciblait effectivement les personnes un peu isolées. Enfin, c'était pas dans majoritairement dans les villages même. Après, s'il y avait des hommes, là tout de suite, j'ai plus le compte, mais il me semble, oui, c'est pas impossible aussi qu'il y ait eu des. C'était majoritairement des femmes et des enfants, enfin des jeunes, mais il y avait aussi eu des hommes dans ouais, le lot. Oui, c'est ça. Donc, en fait. En fait, c'est une technique de chasse habituelle pour un prédateur. Quoi. C'est viser quelqu'un à l'éloigner, enfin un peu hors du village là pour le coup et isolé. Hein. Il y a c'est dans l'Inter la nuit, je crois, il y a un épisode qui, enfin c'est marrant, ça me fait penser à ça, qui se passe justement en Inde où tu vois les, je crois que c'est des jaguars ou des léopards. Qui justement rôdent un peu la nuit autour des villages et qui eux chassent les chiens. Du coup, ils chassent les. Et puis ils mangent pas l'homme, oui, parce que ouais. L'homme représente un peu une menace et ils chassent les chiens. Donc effectivement, ils attaquent un peu les proies les plus faibles ou isolées à l'époque. Non, ils viennent jusque dans les villes et tout. Ouais, c'est assez impressionnant. Donc voilà, pour un peu se faire une idée de ce que ça pouvait donner à l'époque, en plus dans des zones rurales assez reculées.
Mais alors du coup, ouais, tu m'as effectivement partagé l'article que j'ai découvert cet après-midi. Alors je retrouve plus le nom de l'auteur, qui est du coup un collègue à toi, c'est ça? Oui, c'est FL Reptile qui est dans le. Enfin, François-Louis qui est dans Ouais. le chat. Et du coup, alors lui, il titre au niveau de l'article, c'est la piste du loup italien. Donc de mémoire, il parle, lui, enfin il évoque la possibilité qu'il y a eu deux loups. Deux loups différents à un moment donné. Et il a une piste anatomique et évolutionniste qui est assez intéressante. Où il a fait toute une étude sur la génétique, etc. Et qui cible du coup précisément le Loup loup italien. italien. Ouais, tu veux nous en parler un petit peu? J'avoue que j'ai pas tout vu, donc j'ai un Alors, peu lu en diagonale. il dit Mais dans ce que le j'ai vu, chat. ça correspondrait. Ouais, en plus, oui, il est directement dans le chat. Donc, Il dit les victimes sont à 99% des paysans, tous bergers ou employés agricoles. Les victimes sont surtout des enfants, trois quarts ont moins de 17 ans. Les femmes n'étaient pas plus attaquées que les hommes. Ah tiens, du coup, c'est une sorte de légende urbaine Enfin, d'imaginer que ça doit c'était être un petit plus peu les pour femmes. diaboliser un peu plus, en plus. Enfin, vu que le Absolument. loup a souvent été vu comme le diable, etc. Donc ça devait être en plus rajouté. Regardez, il attaque les femmes. Ouais. C'est bien possible, hein. C'est bien possible, du coup. Oui, bah Donc oui. finalement, on est quand même sur l'hypothèse d'une construction, enfin, comme souvent, hein, construction a posteriori sur un truc qui devait être horrible, mais qui devait pas être si fantastique que ça, quoi. A priori, Ça ouais. est bien. Et Aussi enfin, le fait que ce n'était pas l'œuvre d'une seule bestiole, mais peut-être juste d'une meute de loups qui traînait dans le coin et qui était un petit peu plus. Alors, qui avait un peu moins peur des humains que les autres, hein, peut-être, tout simplement. absolument, mais du coup, je vous passerai l'article en source, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il propose vraiment un retraçage assez complet, assez sourcé, et du coup, ultra actuel et récent, vu que ça vient de sortir, et du coup, on est plus effectivement sur la piste vraiment du loup, et pas du chien-loup, ou pas du croisement, quoi. Donc, on a vraiment resserré énormément là-dessus, quoi. Donc, excite aussi les légendes de loup-garou, ou croisement un peu plus réaliste entre chien, loup, etc. quoi. On est vraiment sur quelque chose de plus documenté qui, comme tu l'as dit. Et là, il rapprochait du loup italien parce que la forme du crâne est un petit peu différente des autres loups où il a plus l'arrière développé que l'avant. C'est pour ça que dans les descriptions, ils avaient une tête un peu étrange par rapport à d'autres loups. Et c'est aussi la ligne, il parle souvent d'une ligne noire sur le dos, il me semble. Ouais. Ouais. Et du coup, le loup italien avait vraiment une espèce de un pelage avec une ligne noire dessus. Et il parle aussi, il évoque également le cas des, enfin des, bon, j'appelle ça des mutilations, mais du coup des victimes un peu décapitées ou égorgées, du coup extrêmement graphique, et il explique que bah ouais Oui, c'est une technique. c'est une technique du loup qui est comme ça, quoi. Et que en Italie, d'ailleurs en Italie ils avaient plus l'habitude des attaques de loup qu'en France, et du coup C'est trop bien, putain, c'est une super théorie. c'est Et ben justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve qu'on est complètement dans le sujet un peu cryptozoologie, Bah vu que oui. ça a une approche à la fois sociologique, à la fois bah, purement scientifique, quoi, avec la génétique et anthropo. Ouais, et t'as dit que le Gévaudan, c'était où maintenant La Lozère. C'est où la Lozère? C'est au Dans centre de l'Aisne? la France, c'est pas très loin de l'Auvergne. Ok. Ouais, donc c'est Ouais, pas donc ça si pourrait proche. correspondre à une meute de loups d'Italie qui arrive Qui jusque-là. s'est remonté. Oui, qui remonte après. Les gens du coin, ils n'ont pas l'habitude de voir ce genre de bestioles, forcément, ça doit leur faire bizarre. Hein. Et du coup, ils savent que c'est pas un loup en termes de ce que eux connaissent comme loup. Ouais, voilà. C'est une super théorie. Ouais. C'est en tout cas c'est une belle découverte et qui enfin qui rationalise encore plus ce qu'aurait pu être la bête du Gévaudan, quand même. En tout cas, elle a vraiment nourri les mémoires et je trouve que c'était un bon moyen de commencer un petit peu tout ça, quoi. Un petit peu ce sujet. Sur la suite, justement, moi j'avais identifié j'en ai pas parlé en vidéo de celle-là, mais j'en avais vite fait parler sur mes réseaux sociaux, la bête des Vosges, je sais pas si vous connaissez. Très peu. Où c'est un petit peu pareil en fait, on est toujours sur des bêtes un peu non identifiées, qui ont terrorisé les campagnes françaises du coup, et la bête des Vosges, elle a fait date il n'y a pas si longtemps que ça, c'était dans les années 70, en 1977 plus précisément, c'était dans les Vosges du coup près de Rambervilliers. Pendant ça a duré 6 mois cette fois-ci, alors que Gévaudan c'était 3-4 ans.
3 ans. Gévaudan, c'était 3 ans. Et d'ailleurs, intéressant, sur Gévaudan, dans l'article, il précise aussi que les attaques de loups se concentrent en général entre juin et septembre, enfin surtout pendant l'été. Et les attaques commencent et s'arrêtent au mois de juin aussi, par rapport à la bête du Gévaudan. Donc c'est aussi intéressant de voir cette donnée, cette donnée-là. Est-ce qu'on sait si c'est les périodes de chasse les plus actives pour les loups, par exemple le printemps? J'imagine, enfin alors il faudrait vérifier, mais j'imagine que ça correspond en tout cas aux périodes d'attaque, quoi. Donc a priori ça. Ouais, puis, je suppose qu'au printemps les petits commencent à arriver, etc. Donc ouais, il faut peut-être plus nourrir la meute qu'en temps normal, donc ouais, ça pourrait correspondre. Ok, cool. Mais ce qui est aussi intéressant sur la bête du Gévaudan, c'est que c'est une ou deux bêtes un peu isolées. C'est vrai qu'on n'a pas le rapport à la meute. Et du coup, on est encore plus dans la figure, en tout cas, du cryptide, qui en général, quand on parle de cryptide, c'est une seule bête, et c'est même limite une seule bête non identifiée. Enfin, il n'y en aurait pas plusieurs. C'est assez intéressant. Du coup, pardon, je reviens à la bête des Vosges. Pendant 6 mois, donc de 1977 jusqu'environ 1878, la bête qu'on a surnommée la bête des Vosges, parce qu'elle a sévi du coup dans le massif des Vosges, a tué alors 200 animaux jusqu'à 3 ans même, disent certains. C'était principalement, donc les victimes étaient principalement des troupeaux de moutons attaqués, massacrés et égorgés. Il y avait des poulaillers qui étaient également attaqués, quelques vaches, des taureaux et même un poulain qui ont été retrouvés morts. On se demande encore une fois, du coup, est-ce que c'est un loup? Est-ce que c'est un croisement? Est-ce que c'est un hybride? Il y a un témoin qui décrit une bête de 60 kg aux oreilles droites et à la queue pendante, à la robe gris jaunâtre ou rougeâtre, et qui serait plus grande qu'un berger allemand. Du coup, on s'imagine quelque chose d'assez grand, encore une fois. Il y a les rumeurs qui vont s'amplifier jusqu'à ce que le préfet des Vosges interdise aux enfants d'aller dans les forêts, tellement ça prend encore une fois de l'ampleur. On préfère éviter, on dit aux gens vraiment, faites gaffe quand vous sortez, ne vous aventurez pas trop loin. Et on parle de la bête dans tout le Grand Est. Il y a la presse qui se charge évidemment d'alimenter les discussions et les rumeurs autour de l'origine de la bête, qui contribue encore une fois du coup à mythifier la bête des Vosges. Et on écrit d'ailleurs, comme pour la bête du Gévaudan, que ça pourrait être un chien, un hybride, ou encore un loup dressé pour tuer. Donc là, ça me rappelle quelque chose. Tu vois, on a vraiment le schéma de la bête du Gévaudan qui se reproduit... Un siècle plus tard. Deux siècles plus tard, ouais. Attends, on est en quel... 17 ans, là, c'est en 1977. Ah, j'ai entendu 1877. Ah non, non, c'était il y a 40, j'allais dire il y a 30 ans, mais non, c'était il y a 40 ans. Attends, il y a... 50 ans, on commence à vieillir, en fait. C'est fou. C'était il y a 50 ans. Incroyable, ça veut dire qu'il y a encore des histoires de enfin, bien sûr avec Internet, mais des histoires un peu de la campagne. Ah, mais il y en a tous les ans. Enfin, il y avait même une histoire de panthère. De panthère noire. Non, mais c'est vrai, il y avait une histoire de panthère noire jusqu'à il y a pas très longtemps. Oui, mais enfin, c'était pas pareil. C'était une vraie panthère noire évadée. Je crois, ouais, enfin, pour le coup. Oui, mais les premiers témoignages, les gens n'y croyaient pas. Et après, ils se sont rendus compte, oui, c'était vraiment une panthère qui s'était échappée d'un zoo du coin. Ouais, voilà, donc t'as quand même. Maintenant, l'information va plus vite, donc forcément. Oui. Ouais. Ouais, mais bon, 1977, il y a quand même. C'était à Valentin. Photos, vidéos, tout ça, quoi. C'est... Et ben, ouais. On va y venir après, justement, ouais. Par rapport à la photo. Mais ce qui est intéressant dans cette situation, c'est qu'on est un peu après la Seconde Guerre mondiale. Et il y a des gens qui se mettent à suspecter un certain Manfred Reinhardt, qui est un Allemand propriétaire. Tu m'étonnes avec ce nom. Mais justement, époque. Alors attends, regarde le portrait qu'on lui brosse. Hein. Du coup, c'est un Allemand qui est propriétaire d'un grand domaine de chasse qui est entièrement clos, sur lequel fusent évidemment toutes sortes de rumeurs et de peurs qui sont du coup qui découlent de la Seconde Guerre mondiale. On dit notamment qu'il aurait dressé des chiens loups pour tuer. On est donc complètement dans l'histoire de l'ancien nazi vengeur qui s'ajoute aux faits liés aux mises à mort de bétail par une bête inconnue. Et bah, y a la réalité des événements qui commence à se brouiller alors que les rumeurs s'amplifient. C'est un cas typique de faits divers qui prend des proportions à nouveau démesurées à cause des on-dit et des rumeurs qui sont amplifiées par la presse, l'administration et les locaux. Les recherches des chasseurs, des gendarmes et des militaires n'ont pas permis cette fois-ci de faire la lumière sur l'identité de la bête, et elle va disparaître aussi rapidement qu'elle est apparue. Hein, cette fois, parce que la bête du Gévaudan, a priori, on l'a tuée. Cette fois-ci, on suppose en tout cas qu'elle a été mise à mort.
Pour la Bête des Vosges, j'en sais vraiment pas. Et jusqu'à aujourd'hui, sa nature reste un mystère. Il y a quand même un cliché, Pierre, que tu peux nous Mais montrer. bien sûr. Alors, comment s'appelle ce cliché? Parce que vous n'avez pas renommé très bien. J'avais classé par dossier, mais c'est vrai que si t'as apporté, Non, c'est je ne les ai pas. une bête assez, c'est une photo assez floue Ah! d'un noir et blanc. Attendez, ça va bien se passer. En tout cas, c'est un cliché qui a été pris par le photographe Ernest Gless, qui a pris une photographie de ce qu'on suppose être la bête, qui est en apparence, du coup, bel et bien On est d'accord que un c'est une canidé. Photo. Hein. C'est une photo. Bête des Vosges, je crois que je l'ai. Parfait. C'est ceci? Voilà, c'est l'unique photo qui a été reprise énormément dans les médias et qui est à ce jour ce qu'on suppose être la bête des Vosges. C'est un loup, quoi. Un canidé. Ça peut être un loup, a priori, ça peut être un loup, ça peut être un chien loup, ça peut être un chien errant. Ça peut être un sanglier très souple. Absolument. Ça peut être un. C'est vrai que. Ah, avec c'est une vrai. Grosse queue quand même. Non, mais regarde là, genre, il est. Ouais, voilà, enfin, il est. Oui, avec une. Enfin bon, ça le regarde, mais oui. Mais voilà, ça c'est vraiment la photo emblématique de la bête des Vosges. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait absolument pas, du coup. C'est pas ouf, une photo emblématique quand même. Non, mais on n'a pas de preuves, on n'a pas de preuves de ce que ça pouvait être. Je sais pas s'il y a eu des études récentes, mais en fait, l'affaire était tellement mince, et il y a eu une espèce de, pas de psychose, mais d'emballement médiatique et de peur qui a été tellement grande que derrière ça, en fait, c'est pas grand-chose, quoi. Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de mort humaine, etc., donc... Parce que là, ça pourrait être n'importe qui a pris son chien en photo en train de courir, hein, ce jeu. Enfin, sans vouloir, parce que je vais encore me faire engueuler dans les commentaires que je. Mais enfin, je ne trouve rien de spectaculaire à ce cliché, si je puis me permettre. Ah non, mais encore une fois, de toute façon, c'est bien là le point. C'est comme pour la bête du Gévaudan, on est sur quelque chose qu'on n'a pas réussi à identifier et qu'on mythifie vraiment. Et l'affaire, on va dire, et la narration qu'on crée autour grossifie énormément les faits au point, a priori peut-être, de donner un peu trop de proportions démesurées au cas. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce cas de la bête des Vosges, déjà, c'est qu'on reprend la même narration, le même schéma narratif, effectivement, que le Gévaudan, alors que c'est 2 ans plus tard, et qu'en plus, on y calque le modèle, encore une fois, voilà, du nazi revanchard. Il y a le côté sociologique qui revient et les peurs un peu sociales qui ressortent dès qu'on est face à quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Je pense que ça fera un excellent film de Quentin Tarantino. Hein. Inglourious Basterds 2 avec une bête dirigée par un nazi. Il y a moyen que ça donne des répliques assez méchantes. Donc je demande à voir l'adaptation. Bah, puis finalement, moi qui ne connais pas trop bien, ça me semble être une. Une histoire qui est quand même calquée sur la bête du Gévaudan, quoi. Il y a des choses très similaires, comme si c'était un reboot. Bah, c'est un peu ça. On peut s'imaginer qu'il y a eu, qu'il y a eu, je sais pas, genre des attaques de loups, comme ça peut arriver souvent, et que les gens se sont emballés. En disant oh là là, c'est une créature horrible, c'est sûr, c'est différent, là là là, alors qu'en fait, bah surtout que dans. Peut-être que j'imagine que. Alors, les Vosges, c'est. Les Vosges, c'est pas loin de chez vous pourtant. Bah ouais, justement, les Vosges, c'est en dessous de Meurthe-et-Moselle-Tax, c'est un peu ouais, en dessous. Ça. Ouais, c'est ça, donc je sais pas trop à l'époque quelle était la population de loups, mais je sais pas si historiquement, ils ont. Même si on avait beaucoup sur le territoire français, est-ce qu'ils avaient l'habitude des loups dans les Vosges? C'est encore une autre question, une autre piste historique qui pourrait expliquer que voilà, si les gens ont plus l'habitude d'en voir, ça fasse aussi, non? Ça fasse un peu peur, quoi. Tu connaissais pas, il a toi, été exterminé il a été carrément exterminé de France pendant un bon moment, et là il revient, enfin il est revenu depuis quelques années d'Italie aussi, il me semble, parce qu'ils ont pas trop de problèmes là-bas. Ouais. Vivre avec, et du coup on va peut-être avoir un remake un jour, hein. Mais vivement après le Gévaudan, après les Vosges, ce sera quoi? La bête des Alpes. Ouais, ah, ça sonne bien, la bête des Alpes. Moi, je pense la bête des Meurthe-et-Moselle, ce serait pas la bête de Meurthe-et-Moselle. On s'amuse bien là-bas, en tout cas. Le mec parle bien de ma région, la Meurthe-et-Moselle. C'est pas vraiment ta région, Bon, un petit peu à Meurthe-et-Moselle, quand pas même. Un loup 57 représente, 54 représente. Attendez, j'ai pas du tout entendu Cédric. Bah, qu'est-ce que tu disais? Pourquoi pas un loup breton, tu vois? Mais alors, faut qu'il traverse toute la France. Bah, il serait déter. C'est clair. C'est clair. Il embarque 2-3 fées sur le passage et tout, 2-3 corrigans.
Toi, tu connaissais la bête des Vosges, toi, Cédric? Non, non, bah moi, en fait, j'englobe tout ce qui est affaire de loup, bête du Gévaudan, tu vois, je m'embête pas trop, mais ouais, après, je me doute bien qu'il y a du folklore d'un peu partout. Ouais, bah Mais on y pour moi, retrouve. trop rationnel, pour moi, c'est des loups, et puis point, c'est tout. Bah en soi, t'as raison. Enfin, en tout cas, Oui. c'est ce que nous a montré a posteriori les résultats d'enquête, quoi. En troisième affaire, je pense que ça, c'est un truc que tout le monde connaît, même dans le chat, le Mossman. Tu connais toi, Cédric, le Mossman? Non, je ne connaissais pas du tout. C'est vrai? Du coup, oui, mais non, absolument pas. Je te dis, la cryptozoologie, moi, enfin, si, plus les, enfin, vraiment animaux, animal, quoi. Là, c'est de la crypto-anthropologie, donc c'est Ouais. plus avec des trucs qui ressemblent aux humains, donc là, ça m'intéresse beaucoup moins. Mais du coup, tu m'as parlé de Mothman, j'ai dit l'homme Ouais. mythe, quoi. Du coup, forcément, j'ai été voir, quoi. Il y a un homme mythe, ça me fait trop rire. Et j'ai pas été déçu, hein. J'ai vraiment pas été déçu. Non, il régale bien. Le Mothman, du coup, c'est un homme papillon. Alors, Une c'est grosse pareil. C'est un homme mythe, ouais, voilà. Alors, un homme phalène, même, on peut. Oui, un homme phalène, Si on veut être Voilà, précis, si tu veux être c'est pointu. C'est un phalène, l'homme phalène. un Alors, excusez-moi, parce que moi, j'ai pas vu tous les épisodes de C'est pas sorcier. Et c'est quoi, phalène? C'est un homme mythe. C'est un mythe. D'accord, ok. Non, mais Ce vous que avez mis homme et phalène. Ça désigne pas un je truc? pense, c'est un petit papillon à la base. Effectivement, ouais, Un petit c'est. papillon bleu qui sert bien pour démontrer l'évolution, d'ailleurs, que les créationnistes n'aiment pas trop. D'accord. Mais du coup, je ne savais pas qu'il y avait un cryptide basé sur le ou la phalène, hein, honnêtement. Ouais, bah c'est exactement ça, c'est l'homme papillon, du Bah, vous coup. voyez rien. Oh, Qui a si, été. on a une idée. Attends, C'est tu veux sur que un je. papillon, Attendez, quoi. je vais mettre votre caméra. Merde, pardon. Ah! 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 Ça, Pour me laisse chercher, passer. je vous laisse 34 secondes le temps d'aller faire pipi. Voilà, ça sera intéressant. C'est précis, 34 secondes, hein. Ah, ouais. Bon, Ah, en la gros, c'est une chance! mythe, quoi. Lance le chrono. Oui, C'est bah oui, un du coup. papillon de nuit, quoi. Enfin, bon, ceux qui connaissent bien les insectes vont me hurler dessus, mais. Ça ressemble à ça, quoi. Voilà. C'est donc l'homme, effectivement, voilà, l'homme phalène, l'homme mythe, l'homme papillon. Tu Ce peux nous. qui, quand on y pense, est foncièrement dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe? Non mais, Alors là, parce on a que. une prise de position, là, c'est. Alors. Parce que. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu C'est. montes au créneau? Non Putain, mais. ça va bien se passer. La meuf est engagée sur les mythes. Hein. C'est. Non mais, si on y pense, tout le monde a déjà fait l'expérience Tu de nous se fais une prendre réflexion. un papillon de nuit dans la gueule et qui a cette espèce de poudre qui est contenue sur leurs écailles bizarres là. Alors, je pense qu'il faut rappeler que tu n'as pas grandi, enfin, tu as Ah grandi à La ouais, ah mais je Réunion pense qu'à La et Réunion les papillons vous avez des font 3 papillons mètres bizarres, je pense. d'envergure Ouais. là-bas. Alors oui, mais tout le monde s'est pris un papillon de nuit dans la gueule, Oui, on mais est ça faisait pas obligé. 3 mètres chez Vous nous, avez ils des. font 2 Oui, mais centimètres. justement, imagine te prendre ce truc dégueulasse version. Homme, phalène. Phalène. Non mais c'est pas possible, vous avez une espèce endémique de papillon de nuit, parce que nous c'est un papillon de nuit quoi, c'est pas. Oui, non mais tu vois ce que c'est l'espèce de poudre, je suis pas la seule quand même. Non mais sans Bon, déconner. alors Non la mais non mais tout poudre, le monde ouais, sait non, moi ça. je sais pas, je connais Non. autre. Non, ça va, c'est pas. Oula, Non ça mais parle de poudre là, les gens du chat, sauvez-moi quoi. Le Je suis mec est pas la parti seule. pisser trop Non parce longtemps. que Manon Ouais. nous a dit qu'à La Réunion il y avait Mais non, mais pas à des La pas. Réunion, tout Non, partout. c'est moi qui ai fait un raccourci sur La Réunion. J'adore La Réunion Alors et la bière personnellement, de Dôme. la poudre des papillons là. Voilà. Oui, On est mais si d'accord. c'est parce Non, que mais sur leur veste, c'est dans c'est Pokémon, des écailles. ça. C'est C'est pas des énorme. écailles. Ouais, c'est des écailles. Du coup, quand on les touche, on leur bousille les ailes, hein, on va pas se mentir. Mais Voilà. du coup, ouais, il y a une espèce de poudre. Après, en fait, c'est les écailles qu'il y a sur les ailes. Donc mon point était juste D'accord. de dire que Ton imaginez point. ça version super giga grand humain. Il y aurait de la poudre partout. Ok, bah merci pour ce point. Bon, alors où est-ce qu'on va là maintenant avec cette histoire de mythe? Alors, du coup, l'homme papillon. Alors, il ne balançait pas de la poudre façon chemtrail sur les habitants, mais il a quand même réussi à marquer la population de Point Pleasant aux États-Unis. Elle est surtout, du coup, connue comme une créature ailée, dont l'apparition serait annonciatrice de grandes catastrophes. Alors là, c'est pareil, c'est un peu leur bête du Gévaudan, si j'ose dire, parce qu'il y a eu des adaptations en film sur le cas. Il y a eu énormément de... Pardon? Sur la mythe géante, Sur ouais. l'homme Non, mythe, non, ouais, avec... il y en a un avec ouais, Kevin mais Costner en anglais ça ou... passe. Si tu la fais Exactement. en français, ça passe beaucoup La moins, c'est vrai. prophétie des ombres ou La un truc comme prophétie des ça, ombres, ouais, c'est exactement ouais. ça.
C'est exactement ça. Qui du coup. Je l'ai pas vu le film. Alors moi je l'ai vu, mais c'était à l'époque des vidéoclubs, du coup je m'en souviens plus parce que je suis vieux. Mais c'était pas ouf hein, de mémoire. Bah, qui bah justement a priori, enfin déjà de par la prophétie des ombres et tout, ça reprend le mythe de l'homme mythe. C'est pas voulu, mais non, mais c'est pas du tout voulu. Ça reprend vraiment la figure de l'homme mythe qui serait un peu prophétisée, annonciatrice de grandes catastrophes. Donc tu peux nous mettre une photo de ce magnifique ah. Mothman. Coucou, tu veux voir ma mythe? Pardon, désolé, excuse-moi. J'aime bien. Je vais te mettre trois claques, ça va vite être réglé cette histoire. L'homme mythe, du coup, il est décrit comme, on peut voir sa peau brune. Ouais, attends, je le cherche. Ses yeux rouges réfléchissants, c'est ce qui ressort le plus souvent dans ça. Il y en a plusieurs ou pas? Il y en a plusieurs, absolument. Alors, Mothman, alors j'en ai une première qui ressemble à ceci. Voilà, donc, alors ça, c'est les photographies supposées de l'homme mythe. Il faut savoir qu'avec les cryptides aux États-Unis, c'était notamment le cas pour le diable de Jersey. Ils aiment bien avoir ce genre de photos qui sont très franchement trafiquées et assez faciles à faker. Hein. Mais à chaque fois, voilà, c'est la photo emblématique. Donc ça, c'est la statue. Ça, c'est la statue de l'homme mythe, du coup. Ok. Mais tu peux la laisser. Donc on remarque un peu, du coup, c'est très anthropomorphique. Les yeux rouges qu'on arrive un peu à percevoir. Les ailes, du coup, voilà. On retrouve aussi un peu la figure des anges, comme on peut se la représenter quand on imagine les anges. Après, il a des sacrés abdos, hein, la vache. Ouais, non, il est plutôt. Ah, il est plus... salle, là, non il est. il est. Il est. Ben, il a pas déconné, je pense qu'à force de voler, atterrir, ça fait aussi un peu travailler les abs. Et du coup, c'est une créature voilà, qui aurait été photographiée de nombreuses reprises. On identifie surtout son apparition la plus remarquée le 12 novembre 1966 à Point Pleasant aux États-Unis, en Virginie-Occidentale plus précisément. À part ça, en fait, il n'y a pas beaucoup d'informations concrètes hein, sur le Mothman, puisque ses apparitions découlent. Excusez-moi, j'interviens. Ouais. Puisqu'il y a très peu d'informations sur cette créature, comment est-ce qu'on en est venu à en faire un film et même une statue quoi. Ouais. Enfin, comme très souvent, et on en a parlé dans nos chroniques respectives, justement, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais il y a eu beaucoup de témoignages. D'accord. D'apparition. Non mais attends, enfin, je remets ma gueule parce que je parle. Mais du coup, témoignages, machin, les mecs font. On fait une statue. Enfin, comment ça se passe? Bah, justement, en fait, faut voir l'évolution sur plusieurs décennies. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de témoignages. Il y a des gens qui se sont du coup intéressés à la chose. Il y a des livres qui ont été écrits. Et aux États-Unis, bah après, enfin, et dans le monde anglophone, évidemment, il y a beaucoup plus, la population est beaucoup plus dense. Du coup, il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à ce genre de sujet. Et ça crée un peu un effet boule de neige, quoi. Les gens en parlent de plus en plus, écrivent de plus en plus, les témoignages s'accumulent. Et la mythification de la créature s'accentue également. Ce qui fait que, de témoignage, on commence à associer aux apparitions du Mothman des espèces d'apparitions prophétiques, voilà, annonciatrices de grandes catastrophes. T'as des gens qui vont dire qu'on l'aurait aperçu depuis la... Ah oui, à chaque fois, avant des grandes catastrophes. Avant des grandes catastrophes, et depuis l'ancien temps. Après, t'as pour les... Il y a même des gens qui ont modernisé ça, hein, notamment pour les attentats du 11 septembre. T'as des gens qui disent Sandek. Qu'il a été aperçu, survolant, etc. Oui, avant les attentats, ils se sont dit voilà, c'est bon, c'est ça. Ouais. C'est un peu comme ce dont tu parlais la semaine dernière sur l'espèce d'énorme oiseau. L'oiseau tonnerre. C'est ça. Ouais. Parce que on est d'accord que c'est le même type de truc où t'as un dieu maya ou inca ou aztèque, je sais pas quoi, et un dieu égyptien qui sont représentés comme ça et les gens se sont dit oh, mais c'est incroyable. Moi je pense que dans ce cas précis c'est surtout un amas en fait. C'est vraiment une créature qui s'est façonnée avec les témoignages des gens, mais qui peut effectivement avoir des racines un peu plus anciennes. Mais les gens ont plutôt extrait telle et telle et telle chose. Alors si on veut justement la rapprocher de... Enfin, identifier, pardon, dans des animaux qui existent, on cite la grue des dunes, qui est une espèce d'oiseau qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres, et qui a un cri extrêmement particulier, vu que dans les témoignages aussi, on dit que le Mothman a un cri qui est vraiment terrifiant, et ses apparitions, en plus d'être visuellement impressionnantes, sont accompagnées d'un cri qui fait froid dans le dos, donc... Il y a des gens qui disent que ça peut être la grue des dunes qui a été aperçue.
en pleine nuit, et un animal qu'on trouve d'ailleurs au détour d'une forêt qui a du coup pu paraître vraiment comme une espèce de grosse créature no nocturne un peu inconnue, qui Ouais, aurait ça correspond. contribué. Voilà. Ça peut En fait, correspondre. je sais pas quelle grue c'est exactement, mais comme il y a pas mal d'espèces migratrices, ça se trouve un truc qui ne voit pas d'habitude. Forcément, tu tombes un oiseau de 3 mètres en pleine nuit, tu lui fais peur. Et, C'est clair. je pense que ouais, tu peux sortir un peu terrorisé. Hein. Ouais, il y a des chances en tout cas, voilà, y a des gens qui avancent que ça pourrait être cette grue des dunes-là. 3 mètres d'envergure en plus, C'est énorme, enfin, hein. quand tu y penses, Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. ça fait plus que la table là, tu vois. C'est Ah bah, c'est une belle bête, hein. gigantesque. Ouais, c'est... En plus, avec les ailes déployées, du coup, enfin, elle prend encore Oui, plus l'envergure, du coup. d'envergure. Donc, il y a Ouais. de grandes chances, enfin, ça aurait pu être ça. C'est incroyable. Non, j'en profite pour placer le. Parce que 3 mètres, c'est bien, mais 7 mètres, c'est mieux. Bon, ça n'existe plus, hein, mais il y a eu un machin qui faisait 7 mètres d'envergure, qui a peut-être donné naissance au mythe de l'oiseau tonnerre, l'Argent Abyss. Ah! Qui était C'était un aigle, slash condor, slash vautour, on ne sait pas trop, mais qui faisait 7 mètres d'envergure, c'est pas mal. Ouais, Donc t'as on pourrait le... mettre deux mythmans derrière, enfin sous l'Argent Abyss. Et, absolument, bah, du coup, encore une fois, pour ceux qui étaient effectivement là au live de la semaine dernière, on a montré cette espèce de photo assez connue d'un homme qui est devant Oui, qui a fait une fausse représentation de cet animal préhistorique, du coup, non? Je crois, enfin, il est Bah très vieux. oui, Des millions d'années, je il crois. paraît depuis un petit moment, oui, donc oui. Donc effectivement, ouais. Très bonne. Oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser, enfin, les cryptides, il me semble que ça naît beaucoup au 19e siècle, si je me trompe pas. Parce que c'est les grandes découvertes et tous. Non? Pas Wildmans. Ouais, enfin, Oui, ça c'est ce que je dépend me alors. suis. Enfin, vas-y, mais ouais, je me suis fait la réflexion. C'est vrai que je suis sûr qu'on a été inspiré par plein d'animaux qu'on ne voyait pas forcément d'habitude. Donc ça a donné la mythologie, je pense, pour pas mal d'animaux, mais ça, c'est pas le sujet. Après, ouais, au 18e siècle, il y a un peu eu l'arrivée de la science. Du coup, on a essayé d'expliquer des choses qu'on comprenait pas forcément. Et du coup, ouais, ça a peut-être donné les cryptides. C'est ça, et en fait, je me disais, avec toutes les grandes découvertes qu'on a fait en archéologie à cette époque-là, avec des fouilles qui n'étaient pas forcément ultra bien menées, je me demandais dans quelle mesure le fait d'avoir retrouvé des ossements, bah, ça pouvait amener à la reconstitution de créatures. Alors, pour les ossements, c'est intéressant que tu abordes le sujet, vu que les dragons, notamment, Ouais. seraient apparemment, effectivement, des... Enfin, il y a des gens, à l'époque, qui auraient pu trouver des os de dinosaures et qui du coup, auraient pu créer, notamment, ont contribué à créer cette figure du dragon, quoi. Un Ah peu oui, mais mythologique. clairement. Enfin, même un truc tout con, mais je pense à une photo que j'ai vue il y a pas longtemps. C'était un fossile de, bon, c'est de proto-baleine, on va dire, donc un truc qui ressemblait à une baleine, enfin qui a donné les baleines après, mais qui ressemble à un espèce d'énorme serpent, tu vois. Enfin, quand tu vois que les os, on a l'impression de voir un serpent, mais qui fait 20 mètres de long et posé dans le désert. Tu dis, oh, c'est bizarre quand même. Mais en fait, c'est juste que la mer était là il y a des millions d'années. Enfin, elle est partie, le squelette est resté sur place, donc forcément, quelqu'un qui arrive là sans les connaissances actuelles, il se dit, bon, c'est un serpent géant, quoi. C'est Qu'est-ce que clairement pas c'est une que ça? baleine, Ouais. quoi. Mais même encore, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a ce. Ah putain, je vais jamais retrouver le nom. Il y a un poisson qui ressemble à une espèce de serpent gigantesque, je ne sais pas si vous Ah avez le oui, nom. le ruban là, comment il est trop Oui, c'est beau en ça, plus. c'est ça. Il est vraiment gigantesque. Et en fait, il y a plein de chercheurs qui ont avancé l'hypothèse que tout ce qui est Léviathan, serpent mythologique des mers, en fait, c'était des créatures qui existaient vraiment, enfin, et qui en fait ne sont pas du tout exagérées dans les descriptions, de dire c'est un serpent qui fait des dizaines et des dizaines de mètres, qui est vraiment un monstre. Et ça existe, enfin, genre. Le grand poisson gris avec une espèce de crête rouge C'est ça, ouais, là. c'est ça. C'est des trucs. Une Absurde. Bon, en prochaine fait, ils fois. sont dans Animal Crossing, c'est pour ça que je les connais. Yes. Good joke. Mais voilà, c'est trop cool. J'adore cette. Je voulais, au début, je voulais faire ma chronique là-dessus sur Bah, c'est un peu ce que j'ai fait, mais version Camille et Curiosité. Mais tous ces monstres des mers au sens Les monstres d'animaux lacustres. gigantesques. Régalec, voilà dans le chat, le régalec, c'est ça. C'est ça, le Régalec, exactement. Regardez, si vous voulez trouver une photo, c'est ultra impressionnant.
Et on se dit toujours, oui, alors c'était il y a longtemps, du coup ils ont exagéré, ils ont fait des descriptions assez improbables, machin et tout. Et en fait, bah non, les descriptions, elles collent parfaitement à ce que c'est que ce truc qui est vraiment monstrueux, quoi. Ah oui, non, mais c'est magnifique, mais je veux dire monstrueux au sens de monstre qu'on a aujourd'hui, genre un truc... L'empêcher, c'est vrai que tu dois halluciner un peu, hein. C'est pas le truc qui me sourd. C'est ça. Après, je pense qu'on y reviendra, mais oui, ça donne un peu comme les calamars géants qui s'échouent sur les salles. Exactement ce que j'allais dire. Ouais. Voilà. Mais ouais, bah oui, mais ça rejoint un peu. Alors, j'ai pas prévu de les évoquer, mais c'est aussi la figure des monstres lacustres, du coup, enfin, les monstres des mers, que ce soit le monstre du Loch Ness ou d'autres, hein, ça a aussi contribué un peu à créer tout un pan d'une mythologie qui mélange finalement animaux réels et animaux fantastiques, quoi. C'est ça qui est un petit peu beau. Mais pour le Mothman, moi, mon point de vue personnel, bah, c'est que déjà, il y a une incohérence qui est quand même majeure dans son existence et sur son mythe fondateur, qui est que il est censé être vu avant des catastrophes majeures, sauf qu'en plusieurs milliers d'années d'humanité, quand on remonte un peu les sources, bah, les véritables sources justement qui attestent de son existence remontent aux événements de Point Pleasant, donc il y a 50 ans à peu près, c'était années 66, 70, ouais je crois que c'était en 66, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est beaucoup beaucoup trop récent à l'échelle de l'étude du monde animal, même si on veut. Et pour une créature prophétique, difficile d'imaginer qu'elle ne se soit pas manifestée plus fréquemment, qu'elle soit pas à l'origine d'une erreur d'interprétation humaine à laquelle s'est greffé tout un tas de témoignages et toute une mythologie. Bon, en tout cas, voilà, elle est très populaire sur Internet et c'est une figure que j'apprécie beaucoup. C'est une des premières vidéos que j'avais faites qui a un peu daté maintenant sur ma chaîne, mais c'est un monstre en tout cas que j'aime beaucoup et qui visuellement en impose malgré son nom un petit peu ridicule, quoi. Il a un côté assez impressionnant et presque un peu pas ésotérique, mais c'est vrai qu'on peut imaginer tout un tas d'histoires autour de cette créature, quoi. D'ailleurs, ça a donné une idée d'hypothèse, mais enfin, il parle, là je suis sur Wikipédia, il parle par exemple du hibou grand-duc, donc c'est un hibou, quoi, une chouette. C'est vrai que déjà, une chouette, quand tu vois pas trop ce que c'est, ça peut paraître assez étrange avec les yeux vers l'avant. Et il me semble en plus qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui, avant genre un séisme, se barrent, on n'arrive pas trop à l'expliquer, ouais. Enfin, avec le magnétisme de la Terre, etc. Du coup, est-ce que ça pourrait pas correspondre avec l'image qu'on dit, et il prévoit les catastrophes, si on parle d'un séisme, ça serait pas illogique en fait de voir des oiseaux se barrer parce qu'il y a un séisme qui arrive. Carrément. C'est vrai que c'est complètement possible. C'est complètement possible. J'ai fait réflexion en lisant ça. Une sorte, du coup, comment on appelle ça, du biomimétisme, quand tu calques des comportements animaux, enfin t'essayes de les rendre, enfin les associer aux humains. Anthropomorphisme. Biomimétisme. C'est pas ça. Ouais, c'est les hommes qui essayent d'imiter la nature. Le biomimétisme. Absolument, merci. J'ai divagué. Pardon. Ouais, l'anthropocentrisme, c'est mettre des comportements humains sur un animal. C'est ça. Voilà. Voilà, merci. Donc voilà pour le Mothman. Et pour rester un peu dans la même veine. Ce coup-ci, ça va être. Vous allez voir que ça va être rapide parce que c'est une image qui marque beaucoup. On parlait beaucoup justement du fait que visuellement, parfois, la créature peut vraiment imprégner, devenir un mythe à elle toute seule alors qu'elle ne correspond pas du tout à la réalité. C'est exactement le cas du prochain qu'on va aborder, qui est le Rake. Mmh. Et là, Pierre, tu peux nous mettre le tout début. Alors, on va vous diffuser juste le début d'une vidéo que j'ai faite, pareil, qui est un peu datée. Vous avez peut-être vu passer sur ma chaîne. Vas-y, on est sur quelle coupe de cheveux? On la verra pas, je te dis, ça va bien se passer. Mais tu peux balancer l'intro okay. Qui est efficace. Oh, fuck, the smoke is in my face. Well, you've been sharpening it for like 2 hours. Oh, mon dieu. You hear something? Ah, c'est génial. What the heck is that? Oh my god! Shit! C'est trop bien.
donc j'avais fait un petit montage à l'époque de tout ce qu'on savait à peu près de cette créature, toutes les images vidéo qu'on avait, photos et vidéos qu'on avait sur ce qu'on appelle le Rake. Le Rake, est-ce que vous connaissiez tout le monde cette créature? Bah, grâce à ta vidéo. Ah, tu l'as vu? Ouais. Je ne connaissais absolument pas, mais de ce que j'ai vu, c'est une creepypasta. Donc c'est... Bah, après, ça correspond à cryptide célèbre d'Internet, hein, mais du coup, là, c'est plus vraiment de la cryptozoologie. Absolument. Oui, Moi, j'étais tombé dessus en voyant des vidéos, en cherchant paranormal dans YouTube et en tombant sur des trucs. Je savais même pas qu'il y avait une creepypasta derrière, en fait. Et bah, ils sont trop bien faits, ces vidéos. C'est justement complètement ça, en fait. À la base, c'est vraiment une creepypasta. Et moi, c'est pareil, j'étais tombé dessus. Je savais pas du tout. Je saurais plus dire quand je suis tombé dessus. Mais ça m'avait fasciné, ça m'avait beaucoup marqué. C'était à l'époque où, évidemment, j'étais pas du tout youtubeur. J'étais très jeune, je sais plus quel âge j'avais. C'était il y a longtemps, quand je traînais. Sur YouTube à la recherche de preuves d'extraterrestres et que je voyais toutes les vidéos, je me disais, ouah, c'est un truc de fou, on a des preuves de malade. Et j'avais pas trop de recul sur ce que je voyais. Et le Rake, c'est vraiment une image qui m'a beaucoup marqué. Et alors, effectivement, comme tu le dis, Cédric, on n'est pas dans de la cryptozoologie, mais je trouve que à l'époque, et même sans, avant de savoir que c'est une creepypasta, il y a un peu tout, on retrouve les codes, enfin, la méthodologie, on va dire, d'étude, si j'ose dire, par rapport au Rake. Qu'on trouve dans la cryptozoologie, c'est-à-dire qu'on identifie une créature, on ne sait pas trop ce que c'est. On a des preuves vidéo qui ne sont pas irréfutables, mais qui valent ce qu'elles valent, qui nous permettent du coup d'identifier cette créature humanoïde qui fait un peu penser aux créatures de The Descent, d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le film. Et qui, tu vois, on retrouve un petit peu ces mécaniques-là qui sont amplifiées du coup par le fait qu'en plus, là, bon, ben voilà, c'est assez sensationnel. Créature qui semble surprendre des gens en pleine forêt, c'est filmé, tu y crois un petit peu, il y a un côté vraiment un peu authentique qui se dégage de ces images. Et effectivement, bon bah du coup, le fin mot de l'histoire, c'est quoi? C'est que c'est une creepypasta, mais c'est, je crois qu'à la base, elle est la première, me semble-t-il, la première, enfin, elle a apparu en premier sur 4chan, je crois, et ensuite elle s'est déployée complètement sur le web. Donc assez fou, et autour du coup du Rake, il y a plein d'histoires différentes. Alors là, c'est une creepypasta, donc ça se partage, ça a été repris. On en fait à la fois un monstre qui attaque les maisons, ou qui peut être apparu, ou qui peut apparaître parfois en forêt, etc. Mais il y a honnêtement rien de plus là-dessus. Mais je voulais juste vous le montrer un peu pour le pouvoir des images. C'est vraiment une créature qui m'a complètement marqué, alors que bah, il s'agit d'une creepypasta, quoi. Et je trouve ça assez passionnant, le pouvoir d'Internet. Et du coup, c'est juste des gens qui se sont déguisés, y compris leur grand-père, pour faire une vidéo. Alors, sur cette vidéo, j'ai pas eu le fin mot de l'histoire. Mais ouais, c'est ça, ce serait. Enfin, c'est bien réalisé, quoi. Moi, je trouve ça fou, elle sera bien fait. Cool. C'est ultra bien fait. Moi, je vois un mec à poil qui a essayé qui regardait des mecs en train de se faire griller des saucisses et qui a pas voulu se faire griller, quoi, c'est tout. Hein. T'as tellement poil, tu vas dans la nuit à poil, c'est ça. Hein. C'est un peu ça, t'as des gens qui disent. Attends, je suis à peu près sûr que si on essayait de faire la même avec toi, Cédric, ou moi à Walp, ce serait moins stylé, hein. ça marcherait moins bien. Tu sais, dans la nuit, avec une night vision, tu lèves ta tête comme ça. Si t'es pas très charnu, ça passe toujours. Hein. Je propose qu'on attende quelques mois histoire que tout le monde oublie qu'on a parlé de ça et qu'on tente de le faire. On fera l'expérience, on va reproduire l'expérience. T'as plein de gens qui... Avec moi dans la forêt, tu peux me le demander autrement. Tu sais. Voilà, il y a une nouvelle fanfiction. C'est ça. Ça y est. La fanfiction Pierre Cédric. Ok, on va faire ça. Mais non, par contre, effectivement, pour la tournante d'Alésion, il y a plein de gens qui disaient, ouais, mais on dirait, les gars, vous avez dérangé quelqu'un qui était juste en train de faire son affaire dans la forêt. Oui, c'est ça, en fait. Il est en train de faire quelqu'un dans un coin. Sur la vidéo où il lève la tête, c'est vraiment ça qui arrive très souvent. Ouais, mais vraiment, c'est bon, le mec se tourne. Merde. Il fait peur un peu tout. C'est peut-être un camion. Franchement, si c'est parti de là, ce serait trop drôle. Ce serait vraiment trop drôle. Ce serait quand même la meilleure. Du coup, et t'as le mec qui sait, tu vois, qui est à l'origine du truc et qui le sait et qu'ose pas le dire. Et... Ce serait un peu la meilleure légende urbaine. Tu veux pas dire, bah non, c'est moi, j'étais en train de chier dans la forêt. Voilà. Bah non, il est bloqué, il peut pas. C'est comme l'histoire du fantôme de Pierre, quoi, au final. C'est un peu ça. C'est une histoire créée sur des quiproquos, quoi. Mais voilà, le Rake, il n'y a pas grand chose de plus à en dire, hein, du coup, mais je trouvais ça sympa de voir un peu comment la figure de la crypto peut être
finalement un peu des fois tordu avec le phénomène creepypasta d'internet, puisque moi ça a été mon cas, enfin c'est comme ça que j'ai fait le pied d'entrée avec le REC, et c'est aussi comme ça, je crois, que par extrapolation j'ai fini par tomber sur tout ce qui est cryptozoologie, animaux, créatures hybrides, etc. Pour les creepypasta, c'est un petit peu la cryptozoologie mais actuelle, quoi. Enfin, ouais, c'est un peu ça, ouais. Et exactement, c'est complètement ça même. Et bah pareil, Creepypasta, Fondation SCP et tout, ce sont des extensions un peu de ces choses-là, quoi, qui partent, qui imaginent des hybrides ou des vraies créatures en leur donnant une dimension fantastique. C'est ça. En version un peu moins scientifique quand même, parce que la cryptozoologie, elle part d'un fondement, oui, du naturalisme malgré tout. Oui, non, mais absolument. Absolument, mais c'est ça que, de toute façon, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est le croisement entre science et imaginaire, enfin, qui fait que moi j'aime beaucoup cette discipline-là. Carrément. Le dernier sujet dans le jeu. Ouais. Vas-y, juste pour rebondir dessus, en parlant de ça. J'ai eu une remarque sur l'annonce du live là sur Facebook qui m'a fait beaucoup rire. En fait, quelqu'un qui a dit les cryptozoologues, en fait, ils bossent pour ne plus bosser. Parce qu'ils bossent à un truc, et une fois qu'il s'est prouvé, bah du coup, c'est mort. Quoi. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Et du coup, t'as pas pensé à la fin si vous voulez aborder le thylacine. Si ça parle peut-être à des gens. Le thylacine. Le tigre de Tasmanie, bah, j'en parlerai peut-être à la fin. Ouais, ça marche, ouais, bah après, ouais, quand on élargira, volontiers. Bah, du coup, ouais, pour la dernière grosse affaire, alors, pareil, j'en avais parlé en vidéo et je me suis dit, c'est vraiment la figure qui parle un peu de. Alors, cryptozoologie, ufologie, paranormal, c'est une figure emblématique. Combo gagnant. Le gros combo gagnant, le fameux Chupacabra. Ah, oui. Le Chupacabra, repris, alors là, phénomène de pop culture, repris aussi bien dans X-Files que dans des films, des livres, enfin voilà, des jeux vidéo même. Et puis t'en parlais il y a pas longtemps dans une vidéo aussi. J'ai reparlé du Chupacabra. Bon putain, pardon, je suis désolée, je confonds avec le Wendigo. Oui, c'est pas grave. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas la même origine. Du coup, ouais. Mais si, c'est du côté de l'Amérique. J'ai rien dit. Non, mais tout se passe bien. Mais il n'y a pas de souci. Mais là, pour le coup, c'est pas du tout la même origine. Non, mais c'est des noms qui sonnent bien. C'est parce que Chupacabra, Wendigo et tout ça, je sais pas. Bref. Wendigo, on rappelle, créature, enfin, imaginée, en tout cas décrite par les tribus algonquins, enfin, amérindiennes algonquins qui évoque surtout, enfin, qui est un symbole du froid mordant, de l'hiver, du cannibalisme aussi, de la faim. Mmh. Enfin, c'est vraiment pareil au Wendigo qui est repris notamment dans The Witcher 3, pour ceux qui ont joué sous la forme du Lation, mais qui a aussi inspiré, enfin, c'est aussi une figure emblématique. Mais dans le Chupacabra, du coup, c'est complètement différent. Tu peux nous mettre peut-être déjà une petite image pour contextualiser. Attends, faut que je la retrouve, mais oui. Bien se passer. Nous sommes en mars 1995 à Puerto Rico. Il y a 8 moutons qui sont découverts morts avec 3 plaies profondes au niveau de leur estomac et qui sont complètement vidés de leur sang. Alors que de plus en plus d'animaux sont tués. Non, celle-là, elle est bien. Alors que de plus en plus d'animaux sont tués, une légende urbaine se répand comme une traînée de poudre sur le continent américain et dans les Caraïbes, celle du Chupacabra. D'année en année, les observations de la créature se succèdent et se propagent jusqu'en Europe. Lapin, bœuf, poulet et vache sont retrouvés vidés de leur sang. Les familles se disent attaquées par la créature. Il y a des troupeaux et des centaines d'animaux décimés. La légende grossit et se déforme. Le Chupacabra est tour à tour un démon, puis une créature extraterrestre dont l'existence serait cachée par le gouvernement. On est loin de la bête sauvage encore inconnue décrite dans les années 1990. Et effectivement, le Chupacabra, du coup, il reprend aussi beaucoup une grande thématique de l'ufologie qui sont les mutilations de bétail, notamment mutilations de bétail retrouvées mortes, tuées dans des circonstances un peu troublantes. Un sujet qui revient sur le devant de la scène avec les mutilations d'équidés et Nagui. Absolument. Absolument. Nagui est un cryptide. Pas loin, bientôt. Allons mener l'enquête. Mais ouais, non, complètement sur ce qui se passe actuellement en France avec les affaires de chevaux, enfin les pauvres bêtes retrouvées mortes. Il y a pareil, enfin sans aller jusqu'aux rumeurs de Chupacabra, en tout cas il y a des gens qui parlent aussi un petit peu d'ufologie, même si on est beaucoup plus, enfin si on parle en dehors du Facebook.
On peut créer un truc, le Nagichibri, et les gens. Mais je ne sais plus c'est quel site de paradis d'information qu'il avait sorti, que c'était Nagui la responsable. Enfin, non, mais maintenant, c'est un truc. Une blague lancée sur Twitter et du coup, alors, en tant que journaliste Press People, je peux vous dire que Nagui a relayé l'info en disant « Franchement, c'est pas WAM, mais il y a 2 mois, un truc voilà, comme ça. » Mais... Du coup, on ne sait pas trop. Peut-être qu'il a dit ça pour disculper, on ne sait pas trop. Mais enfin, voilà, en tout cas, le mythe du Chupacabra, il reprend un petit peu toutes ces thématiques, donc je trouvais ça intéressant de finir par lui. Il est à la base apparu, en fait, pour... Oula, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, en fait, en prenant l'angle d'un monsieur qui s'appelle Benjamin Radford, qui lui est enquêteur scientifique, qui est un sceptique, qui est spécialisé justement dans la cryptozoologie. Ouais. Il a étudié, recherché et démystifié un petit peu la figure du Chupacabra. Donc c'est, encore une fois, c'est une théorie, mais qu'on va vous avancer, hein, parce que sur Chupacabra, il y a énormément de choses et d'affaires différentes, mais sa théorie, elle est assez intéressante. En 2011, il publie les résultats de sa longue enquête consacrée au Chupacabra dans un livre qui s'intitule « Tracking the Chupacabra ». Il mettra l'accent absolument incroyable. Et bon, du coup, le Chupacabra, ça signifie littéralement « suceur de chèvre hein, », voilà, parce que la créature suce entièrement le sang de ses proies, elle les laisse exsangues. Le Chupacabra de Porto Rico, comme il est apparu à la base, ressemble à une modernisation du mythe du vampire, du coup. Mm-hmm. Ah bah, c'est le moment de mettre cette illustration, je ouais, pense. Bien vu. Et le mythe du Chupacabra, du coup, il est à la base apparu pour expliquer les morts d'animaux de l'époque, tués par un prédateur inconnu et supposément vidés de leur sang. Donc c'est là aussi qu'on retrouve le phénomène de mutilation de bétail où on sent forcément trouver le prédateur responsable, on l'associe aussi à tout ce qui est phénomène ovni. Il y a une discipline scientifique qui s'appelle la taphonomie, qui se charge entre autres d'observer le processus de décomposition d'organismes pour comprendre leur fonctionnement, sympa, y compris pour les animaux du coup. Et il y a Radford qui s'est intéressé aux archives photos et aux rapports disponibles sur les animaux retrouvés morts mystérieusement, avant, pendant, ouais j'entends aussi, il y a un espèce y a, de... Il y a un crépitement, c'est terrible. Je l'entends aussi, ouais. Ouais, c'est assez désagréable, je sais pas si vous l'entendez, mais... Ouais, je l'entends aussi, mais... Ah, c'est bon. Ouais, ça s'est arrêté. Ah, c'était ton casque, ouais. Merci. Les extraterrestres, ils sont avec très nous. Très dérangeant. Parce on parle de Chupacabra. Non, pas ça, on a fait ça. Bon, j'ai tenté une blague, elle était pas ouf. Vous l'enlèverez, celle-là. Non, bon, je te remercie, parce que sinon, c'est moi qui prends. Donc ça... Il y a Radford qui a du coup un petit peu creusé au niveau des archives disponibles, donc sur les photos et rapports sur les animaux qui ont été retrouvés morts. Du coup, avant, pendant et après les années 70. Et il a découvert que la quasi-totalité des cas qui impliquaient des morts par prédation étaient tout à fait ordinaires, en fait. Oui. Leur sang n'avait pas été sucé. Mais l'état des carcasses... hop là, l'état des carcasses ont mené à des fausses interprétations des témoins qui se sont amplifiés ensuite à cause du bouche-à-oreille et des médias, donc on retrouve exactement le même phénomène que dans les bêtes du Gévaudan, bêtes des Vosges et tous les autres cryptides présentés ce soir. De plus, il y a la technologie d'analyse ADN qui, comme pour l'article qu'on vous passera sur la bête du Gévaudan, a permis de rapidement en savoir plus, en fait. Et il y a de nombreuses analyses génétiques qui ont été faites sur les carcasses d'animaux censées être des chupacabra, parce que c'est pareil, tu peux nous montrer même des photos, Pierre. D'accord. On voit une espèce de hyène, une créature un peu mal en point. Attends, parce que tu sais que moi j'ai des bêtes du Gévaudan, des bêtes des Vosges dans... Normalement, t'as. Tu passes image 1, image 2, parce que non, mais j'avais classé par dossier, mais enfin, je savais pas. Attends. Bref, ah, alors c'est peut-être ceci. C'est exactement ça, voilà. D'accord. Donc, qui ressemble sincèrement beaucoup plus à une espèce de hyène affamée ou à un chien pas ça, affamé. Vous regardez tout à l'heure l'Okapi, ça ressemble un peu à l'Okapi, non? Non, pas encore l'image, mais attention, j'adore l'Okapi. L'Okapi, il est ultra zébré, c'est pas un Okapi, ça. Ouais, mais la forme du museau très allongé comme ça et les pattes très hautes, ça ressemble pas un peu à l'Okapi? Ou c'est moi qui. Bof. C'est une légende d'où, tu dis? Enfin, de quel continent? Chupacabra, Amérique latine. Ouais, Amérique latine. Amérique latine. Non, regardez le. Merde, comment il s'appelle? Le loup à échasse. Alors, je l'appelle le loup à échasse, mais il s'appelle pas comme ça. Le loup à crinière. Ça ressemble vraiment à un loup à crinière, mais pas la gueule. Un loup à crinière. C'est magnifique aussi. C'est un animal que j'adore. Alors. Ah oui! Et lui. Ah, c'est trop beau. Ah, lui, il a un potentiel de cryptozoologie assez fou. Hein. Waouh, c'est magnifique! Je suis en train de le googler aussi. Regarde.
Ah ouais, oh, il est super beau. C'est magnifique. Bon, d'accord, si tout le monde le fait, je le Non, fais non aussi. mais en plus, enfin, vous n'allez pas voir, c'est trop lumineux mon téléphone, mais... Ah, je peux peut-être baisser la luminosité. Enfin, vous allez regarder sur Google, Oui, en vrai, oui, oui. vous êtes rendu, mais c'est trop Il est effectivement, stylé. il est grand en plus, enfin, il a des. Ah ouais, c'est hyper grand, et quand il pisse, ça sent la beuh, voilà. Aussi, un peu complexe de tout ça avec Donc, on l'adore. Et putain, c'est trop. Tout un réseau qui peut lancer de lui-même. C'est tellement stylé. Ouais. Enfin, mais là, du coup, sur la photo, il est quand même très, il a quand même très très décharné, quoi. Moi, il me fait penser à une espèce de. Sur la photo, il me fait penser à une espèce de hyène. Ouais, après, c'est quand même un animal qui est très maigre. Hein, Ouais, et Quand puis, il y a quelqu'un dans même. le. Je remets la photo. Ouais, ça ressemble vraiment à un animal à temps de la gueule. C'est juste qu'il a pas, il a l'air de pas avoir de poils, ou très peu, mais. Ouais. Mais il y a beaucoup de photos similaires, hein, qui. Mais ouais, en vrai, ça ressemble beaucoup. C'est génial, j'adore cet animal, merci pour la C'est découverte. magnifique. Et ah oui, du coup sur cette photo précisément, parce que je disais des hyènes, mais enfin non, en fait précisément ça pourrait être un coyote souffrant de la gale, ce qui Ah expliquerait oui. son état affaibli, Ouais, de le ouf, manque de ouais. poils et le fait aussi qu'ils s'en prennent à des élevages, parce qu'ils du coup incapables de chasser pardon, ils vont chercher à se nourrir de la manière la plus simple, qui est du coup en attaquant le bétail. Il y a eu énormément de photos comme ça qui disent on a photographié le chupacabra, etc. Alors qu'en fait bah, ce sont juste des de pauvres animaux qui voilà On est malade. qui ont des maladies et qui du coup s'en prennent au bétail par survie, instinct de survie quoi, ou de prédation, ne pouvant faire autrement. Ensuite on a le donc ça c'est pour la première phase du chupacabra identifié. Il y a un autre chupacabra quadrupède des années 2000 qui est donc confondu à la fois avec un chien, un loup ou bien un coyote souffrant de la gale. Donc à chaque fois il est présenté de différentes façons et en fonction soit des photos, soit des témoignages rapportés. Donc là c'est pareil, on a une espèce de bête qu'on arrive plus ou moins à répertorier, qu'on associe à des canidés ou à ce genre de créature sans pouvoir le définir exactement. Ce qui au final est normal parce que ça peut tout simplement être un ensemble de plusieurs bêtes qui prises indépendamment et vues à des endroits différentes. Ont ensuite été mythifiés autour d'une même figure qui est le chupacabra. Rajoutons à cela évidemment, ben, comme dans les autres cas, la centaine d'articles à peu près, voire plus sensationnalistes sur le sujet, qui en rajoutent évidemment aussi des couches pour alimenter la rumeur. Et on a une légende qui est bien rodée. Pour ajouter de l'eau à son moulin, Radford précise que de toute façon, un canidé ne peut physiologiquement pas sucer le sang d'un animal à partir d'une blessure. Le chupacabra ne serait donc pas un canidé, mais alors. On peut aussi se poser la question du chupacabra bipède, qui est à l'origine du mythe. Et Radford a interviewé le premier témoin oculaire du chupacabra, une certaine Madeleine Tolentino, et c'est à partir d'elle en fait que la légende a pris vie et s'est ensuite répandue. Radford, il a conclu, après interrogatoire, que le témoignage de Madeleine était faux. Mais elle n'a pas menti, mais elle a confondu la créature. Avec, alors ça c'est sa théorie, on est vraiment dans la théorie, hein, mais selon lui, elle a confondu la créature avec celle du film La Mutante, qui ressemble fortement. Et Comment il... ça? Attends, mais enfin, Quoi? la meuf, elle a vu le film avant et non, mais comment elle a confondu en fait, c'est. Bah, en fait, selon lui, elle a vu le film récemment et son témoignage qui a été largement répandu a influencé celui des Est-ce autres. qu'on a fait une analyse toxicologique chez cette personne? Est-ce qu'elle prenait des substances? Parce que c'est. Non mais c'est quand même intéressant le point de Radford parce que dans beaucoup d'affaires, alors pas forcément liées à des cryptozoologies, mais par exemple dans tout ce qui est cas d'exorciste ou de poltergeist, il y a beaucoup de gens, enfin de sceptiques, qui disent que le film, des grands films notamment comme le film L'Exorciste, a énormément influencé Bien derrière sûr. certaines affaires, quoi. Donc Encore une fois, le phénomène du faux souvenir qui, de manière très sincère, en fait, t'as vu quelque chose qui t'a marqué, voire qui t'a choqué, notamment un film d'horreur, et tu peux croire après que... Enfin, tu peux Ouais. Après, avoir c'est. des souvenirs où t'as l'impression que c'est une réalité... Ah, moi, je suis pas forcément. Alors, moi, je suis pas forcément fan du coup de cette théorie-là, de la théorie de Radford, tout simplement parce que, ben. Alors, oui, bien sûr, enfin, le monde est complexe, notre cerveau est complexe, et bien sûr qu'on est influencé, on sait qu'on est tout le temps sous influence, et du coup, on est aussi sous l'influence de la pop culture. C'est notamment ce qu'avancent beaucoup de gens pour expliquer le phénomène OVNI, dire que les figures d'aliens, etc., descendent principalement
des œuvres de fiction et des descriptions qu'on en a fait. Je suis, voilà, moi je vous donne la vision de Radford. Personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est pas aussi simple. Mais lui, en tout cas, il parle du coup d'une vague de paranoïa. D'une vague de paranoïa, il pense que tout est parti d'un folklore local. Bah, le fait est que c'est une légende qui n'existe plus énormément aujourd'hui, quoi, qui est plus très vivante, quoi. Il y a eu une revivance dans les années 2000, et puis après... Du Chupacabra ? Ouais. Alors, en Amérique latine, je sais pas. Si, mais attends, attends, je parle et j'essaie de plus où est la multicam. Voilà. L'autre jour, je t'ai envoyé des. Enfin, il y a genre deux mois, des vidéos de pseudo-loups-garous où c'était aussi peut-être des chupacabras. Donc, et ça, c'était récent. Ouais. Donc, je pense que c'est un truc en Amérique latine. C'est pas mort, le chupacabra. D'ailleurs, ouais. Là-bas, les phénomènes paranormaux, ça passe aux infos, quoi. Enfin, c'est la culture locale. Et je pense que là-bas, ça continue. Hein, mais je peux me tromper. Je savais pas. Et de toute manière, comme toutes les créatures mythiques, c'est la même chose avec tout ce qui est Diable de Jersey et ses autres cryptides ou créatures un peu paranormales, elles impriment tellement fort le folklore qu'on continue tout le temps au final d'en parler. Quoi. Mmh. Mais voilà, selon Radford, en tout cas, sa théorie, c'est qu'on a un folklore local, des étranges morts d'animaux qui s'accumulent et des témoins oculaires qui décrivent une créature inconnue et qui a suffisamment d'éléments concrets en apparence pour ensuite avoir créé un effet boule de neige alimenté du coup par une vague de paranoïa. Après, c'est rationnellement, c'est aussi, c'est légitime. Hein. Il y a des chaînes comme Hygiène Mentale qui expliquent assez bien le mécanisme et en soi, ça se tient. C'est juste que je sais pas si c'est vraiment aussi simple que ça et vraiment un gros concours de circonstances, mais en tout cas pour le Chupacabra, pour son analyse qui se base quand même sur une véritable étude des faits, c'est assez solide que ça pourrait très bien être un ensemble de loups, chiens et coyotes ayant la gale. Aujourd'hui, le Chupacabra, c'est toujours une légende répandue en Amérique latine et elle continue, comme Pierre l'a dit, de apparaître encore de temps en temps dans l'actualité, mais en tout cas elle continue quoi qu'il en soit d'être prise dans l'art notamment. Ok. Donc voilà, je voulais un peu finir sur cette figure du Chupacabra qui est passée un peu par tous les états, que ce soit cryptozoologie, paranormal, ufologie, et qui en même temps brasse des sciences dures pour expliquer un peu le phénomène. Je trouve ça assez passionnant, tous les champs que ça englobe et toutes les pistes à explorer, on en apprend. Finalement beaucoup quoi. C'est très intéressant à étudier. Pour élargir, du coup, effectivement, on peut parler de manière plus générale de calamar géant, figure du kraken, inspiré des calamars géants qui ont été énormément rapportés par les récits de marins qu'on a longtemps cru comme étant des créatures fantastiques et qui au final ont été même filmées récemment. Il y a tous ces animaux-là qui nous montrent bien finalement que c'est ça aussi la cryptozoologie, c'est s'intéresser à des rapports authentiques d'animaux qui n'ont pas encore été catégorisés et qui finissent encore de temps en temps par être découverts. Il y a même le sujet des abysses, mais ça c'est encore un autre sujet avec les monstres qui peuvent être, enfin les monstres, les animaux qui peuvent être un peu tapis dans les profondeurs et qui ont des apparences assez monstrueuses justement et assez... Ah, surtout quoi, quand dès qu'il n'y a pas de lumière, les animaux ils prennent une forme chelou quoi. C'est j'en parle souvent, mais à La Réunion il y a eu une éruption volcanique il y a quelques années, je sais plus en quelle année, qui a duré vraiment très longtemps et du coup la lave a fini par aller jusqu'à la mer et fait ça a duré plusieurs jours où la lave allait jusqu'à la mer et du coup ça faisait des volutes de fumée absolument incroyables. Et ça a nécessairement réchauffé énormément l'eau. Et du coup, on a eu plein de poissons qu'on connaissait absolument pas, qui sont ressortis. Bonjour. C'est peut-être le plus chaud par ici, c'est exactement ça, genre, oh putain les gars, ça pue du cul. Et du coup, on a découvert plein d'espèces comme ça, et en fait, tous les ans, ça arrive encore. Et du coup, Cédric nous parlait tout à l'heure, en plus, d'une espèce qui avait été, si j'ai bien compris, une espèce qui avait été considérée comme mythique pendant longtemps, et finalement, on s'est rendu compte que c'était une... quelque chose qui existait vraiment, c'est ça? Tigre de Tasmanie. Ah oui, c'est parfaitement, ça illustre parfaitement la cryptozoologie, tout ce qui est kraken, calamar géant, etc. En fait, c'était juste des calamars géants, sauf qu'on ne savait pas encore à l'époque que ça vivait au fond et qu'on n'avait pas la technologie pour aller les voir encore.
Du coup, comme on les voyait, comme aujourd'hui, je pense, s'échouer de temps en temps sur les plages, forcément, d'où la gravure de tout à l'heure. Je pense que ouais, l'imagination fait le reste. Hein. Et tu nous parlais, toi, tu voulais nous parler, c'était quoi? C'était le tigre de Tasmanie, je crois? Alors en fait, oui, on l'a redit dans le chat, c'est le loup de Tasmanie exactement, où cherchait le thylacine. Ouais, alors c'est un truc qui ressemble à un canidé, qui ressemble à un coyote, mais qui n'est absolument pas un canidé, c'est un marsupial en fait. Wow. Donc qui est plus apparenté au kangourou, au koala, etc. Ouais. Qui vivait en Australie, évidemment, comme la plupart des marsupiaux, et qui a été, bon, on peut le dire, exterminé. Hein. Alors, je ne sais plus lequel, enfin, mort en 1933, je crois, le dernier, dans un zoo. Mais lui, il est avéré, je veux dire, on est sûr qu'il existait, on a des têtes momifiées encore, donc voilà. Ah ouais. Sauf qu'il est repassé du côté cryptozoologie, puisqu'il y en a très souvent, en fait, qui disent avoir vu des thylacines en Australie, sur l'île de Tasmanie. Et du coup, il est un peu entre vrai animal, cryptozoologie, est-ce qu'il est disparu, est-ce qu'il existe encore, donc voilà. Et d'ailleurs, il y a des animaux comme ça qu'on pensait disparus et qui en fait sont réapparus récemment, non? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Connaissait, qu'on pensait disparus depuis super longtemps et en fait. Le Célacanthe. On pensait qu'il était disparu, le Célacanthe? Ouais, alors je déteste le terme de fossile vivant. Donc en fait, on a trouvé des fossiles de Célacanthe. Date de, je sais plus les dates exactes, mais genre 300 millions d'années, donc le truc est imprimé dans la pierre, on voit bien la forme, etc. Mm-hmm. Et je sais plus la date, mais c'est récemment. Coelacanthe. Il y a un pêcheur africain qui a ramené un Célacanthe dans ses filets, et du coup, ça a été un peu une révélation, quoi. En fait, le truc qu'on croyait disparu depuis 300 millions d'années, en fait, il existe encore. Alors, en fait, pas vraiment. Parce que bon, il ressemble beaucoup. Oui, voilà, en fait, il a quand même. Vu qu'il ressemble beaucoup à l'espèce fossile, on dit qu'il n'a pas évolué, que c'est un fossile vivant, etc. Mais non, il a quand même évolué, il y a quand même des différences. Alors, attendez, j'essaie de retrouver les dates, mais je ne sais plus exactement. 1938. Donc voilà, avant 1938, on était persuadé qu'il avait disparu. 1938, il y a un gars qui ramène ça dans son filet. Il y a des naturalistes du monde entier qui sont arrivés en n'y croyant pas. Bon, en fait, maintenant, on se rend compte que si, il est encore là. C'est marrant parce qu'à l'époque, on a dû penser à une supercherie de la part du pêcheur, non? C'est pour ça que, de ce que j'ai compris, il y a vraiment plein de naturalistes du monde entier qui sont venus sur place pour constater parce qu'ils n'y croyaient pas, en fait. Hein. C'est trop cool. C'est assez fou, hein. C'est assez fou. C'est un peu le... Enfin, moi, ça m'évoque un peu le rêve à la Jurassic Park. Quoi. Est-ce qu'on arrivera à recréer des espèces éteintes? Je crois que pendant très longtemps, il y avait le débat sur le mammouth, il me semble... comme quoi il pouvait être recréé, ou je sais pas si c'était du coup une fake news ou si c'était quelque chose de vraiment envisageable. C'est un autre sujet, il faudrait un live entier, je pense. Je briserais beaucoup de rêves, donc je ne sais pas si vraiment. Hein, tu voilà. Peux faire une réponse courte? Non. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. On n'en parle même pas, le mammouth. Voilà, il a disparu depuis moins longtemps qu'on le pensait, mais si, quand on parle de ressusciter le mammouth, en fait, c'est de faire une hybridation avec ce qui existe encore et qui est le plus proche, donc l'éléphant d'Asie, mais du coup, ça serait pas un mammouth, ça serait un hybride entre ce qu'on a d'un mammouth et un éléphant d'Asie. Donc là, je suis chiant avec ça, je le dis à chaque fois dans mes vidéos, mais on pourrait juste essayer de protéger les animaux qu'on a déjà, ce serait bien. Ouais, c'est clair. On est bien d'accord. D'ailleurs, pareil, bon, c'est un peu. On parle beaucoup du Muséum d'histoire naturelle de Paris ce soir, mais en même temps, c'est normal puisque c'est l'un des plus vieux musées de France et un endroit absolument incroyable. Et il y a toute une galerie qui est dédiée aux animaux disparus. Le dodo. Le dodo. Voilà. Le dodo, ouais. J'étais justement en train de regarder ça. Absolument. Tronche, le dodo. Mais aussi des trucs que je connaissais pas du tout, genre des espèces de chevaux, enfin des races différentes de chevaux, je sais pas comment on dit. Des espèces différentes de chevaux. Quoi sont pas des chevaux. Enfin, c'est très bizarre. On a l'impression que c'est des plein d'animaux qui nous sont familiers et pourtant ils ont des trucs chelous, donc t'as l'impression que c'est un dessin d'enfant qui a été repris. Enfin, c'est assez marrant comme galerie et c'est aussi
très triste comme galerie. Ouais, bah, je crois que tu parles du quagga qui ressemble à un cheval, mais hyper costaud avec l'arrière rayé. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais, c'est le quagga. Ouais. Donc il y a une taxidermie là-bas. C'est impressionnant. Les taxidermisés, c'est que oui, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Oui, bah oui, bah, pour le coup. Malheureusement. C'est ça. Et puis en fait, il t'explique très bien que c'est souvent c'est des animaux qu'on a découverts souvent au 19e siècle et que on s'est mis à les chasser parce que lol et que en quelques dizaines d'années, en fait, on a réussi à éteindre des espèces, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'espèces. Bah genre le dodo qui a été décrit, alors je sais plus quelle année exactement, alors j'ai fait une vidéo dessus, la honte sur moi. Et on n'a pas vu ta peluche, tu n'étais pas... voilà. Ah. Il est un peu moche, mais je l'aime bien quand même. Non, il est très mignon. Oui. Du coup, le dodo, ouais, il a été décrit, alors je sais plus quelle année spécialement, et je crois que 50 ans après, il était déclaré éteint, tu vois. Donc, c'est ça. Bah, c'est ça, quand on a des espèces endémiques, plus ou moins endémiques, ils étaient sur quoi, 2-3 îles. Puis que c'était pas il était le super prédateur terrestre. Bah non, c'est qu'en fait il avait pas de prédateur du tout. Donc, mais c'est ça, donc du coup lui il était. Les colons sont arrivés et oh de la bouffe gratuite, allez Obin. on parle du dodo, mais il y avait plein d'espèces, des tortues géantes et tout qui se sont fait déglinguer pareil. Et même encore aujourd'hui, animal improbable qui me fait beaucoup rire et si je peux le placer, c'est le cacapo. Qui est un perroquet géant qui, je ne sais plus combien il peut atteindre de kilos, qui ne vole pas et qui est myope. Ah, et qui vit en Nouvelle-Zélande, qui a zéro prédateur, du coup il a peur de personne, enfin il a pas peur des humains. Ah oui, exact. Là, et il y en a plus que, alors ça a dû augmenter un peu, mais une trentaine je crois, sur toute la planète. Donc, c'est trop mignon! C'est adorable! Ah, c'est adorable! Oui, vu qu'il n'y en a qu'une trentaine d'exemplaires. T'as pas intérêt à ce qu'il y ait une catastrophe là-bas, parce que il va y passer. Hein. Et c'est un peu le même phénomène que le dodo, où vu qu'il était, il avait pas de prédateur sur l'île, il s'est un peu développé, enfin il a évolué un peu bizarrement. Ouais, c'est ça, mais enfin, comme quoi, c'est un peu les cryptides de demain, quoi, malheureusement. Ah oui, clairement, oui. Si le cacapo disparaît et qu'on en retrouve un, oui, il peut devenir un cryptide. C'est un peu triste, effectivement. C'est pour ça que t'as bien raison. Le loup de Tasmanie qui est entre les deux. On se dit, si jamais il existe encore, c'est plus un cryptide. Mais tu l'as dit très justement, le fait de tâcher d'abord de préserver les espèces qui existent encore aussi, c'est important. Mais alors moi, complètement dans le thème, mais je sors ça un peu. Moi, ça me fait penser, en fait... Parce que du coup, avant d'en parler, je m'en suis souvenu. Pendant longtemps, moi, je pensais que le marsupilami, par exemple, c'était un vrai truc. Hein. Arrêtez de me tuer pas, mais... ouais, quand j'étais petit, je regardais tout le temps le dessin animé. Et pour moi, c'était un vrai truc. C'est mais trop qui mignon. Était, je sais pas, en Amazonie ou avec mon imaginaire d'enfant, je me disais, ouais, c'est normal, quoi. C'est mais est-ce que c'est pas. C'est inspiré d'un animal qui existe vraiment. Ouais, ce que je veux dire, c'est pas si con, hein, ça se trouve. Enfin, vu la fourrure et tout, la longue queue, Mais le jour, attends, mais le jour. Jaguar, marsupial. Le jour où j'ai appris que c'était pas un vrai animal, ça m'avait un peu choqué, quoi. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était. L'innocence détruite, quoi. Ah, moi, ça m'a fait pareil que le Père Noël. Ça m'avait fait un truc, quoi, attends. Le Père Noël est un cryptide. Ah, la question. Animal alors... imaginaire créé par un Franquin. Ah, ouais. Mais. Du coup, je suis parti un peu là-dessus, mais. Comment le marsupilami? Rassurez-moi, je suis pas le seul dans le chat à avoir un jour cru à l'existence du marsupilami. Enfin, quand on est petit, c'est possible. première question à poser sur Google, est-ce que le marsupilami existe pour de vrai? Je suis pas le seul à me poser la question. Il y a les platistes aussi sur Google. Hein. Malheureusement. Pas dans le chat, c'est comme Taz dans les Looney Tunes. Non, Taz est vraiment inspiré d'un animal qui existe. Alors, du coup, moi... Le diable de Tasmanie. Et bah, voilà. C'est un peu pareil. Et bah moi, l'inverse, on a eu un débat il n'y a pas longtemps là-dessus. J'étais persuadé que le diable de Tasmanie, ça n'existait pas. Oui, mais parce qu'il ne fait pas d'attaque tonnerre comme ça. Mais oui, parce que je me disais, non, mais c'est un truc de dessin animé, quoi. Le marsupilami, ça peut juste faire penser à un singe un peu funky, quoi. Un singe pour aller baiser un jaguar, ouais. C'est un peu ça, ouais. Il y a peut-être une hybridation. Ça va être compliqué, hein. Heureusement que je suis pas biologiste, hein, parce que... Mais non, bah oui, j'ai cru un jour à l'existence du marsupilami, voilà.
C'est un live confession. Père Noël, Père Noël, c'est bon, je suis à jour. La petite souris aussi, un jour j'ai vraiment cru qu'il y avait moyen. Mais, ouais, mais moi aussi. Hein. J'ai fini par comprendre. Quoi. Moi j'ai tout découvert à Pâques. Quoi, il n'y avait pas vraiment de cloches et de lapins qui venaient. Ben, moi, tu vois, moi, c'est les cloches qui m'ont le plus perturbé. C'est un jour à Pâques, j'ai dit à mon grand-père, mais c'est bizarre quand même, je vais avoir 8-9 ans, et il m'a dit, bah non, mais oui, non, c'est bizarre, ça n'existe pas en fait. Je lui dis, non, mais la petite souris, oui. Il m'a dit, bah non, non plus. Oh non, l'innocence brisée, quoi. Mais non, mais le Père Noël, soyons sérieux 2 minutes, le Père Noël, oui. Il m'a dit, bah non, non plus. Ah. C'était vrai, c'était une des pires journées de mon enfance. Il t'a mitraillé. Non. Je suis sur un article de l'Obs là qui raconte qu'en fait il y a un scientifique qui a vraiment joué le jeu de faire comme si il était cryptozoologue sur le marsupilami, qui lui a donné le nom latin de Marsupilami franchini. En hommage à son créateur, et que du coup il a publié vraiment un article dans une revue très sérieuse qui s'appelle Les Naturalistes Belges. Attends. Ses recherches seront officialisées en 1989 dans un article établi selon les règles de la nomenclature internationale des espèces animales, qui publie la sérieuse revue Les Naturalistes Belges. Le canular fait tousser quelques chercheurs sourcilleux. Mais il est validé dans le rapport annuel de la prestigieuse Zoological Society of London. C'est une blague de scientifique, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment, genre, ils se sont dit, genre, lol, on va faire comme si c'était un vrai animal. Ouais, bon, bah, il y a au moins une preuve sourcée et vérifiable que le marsupilami existe. Donc, voilà. Je n'en démords pas. Mais, ouais, bah, je crois qu'on a un peu fait le tour, enfin, en tout cas, moi, de tous les cryptides qu'on voulait un peu évoquer tous ensemble. Je sais pas si tu as parlé. Bah ouais, le seul sur lequel j'étais renseigné, on n'a pas parlé, mais c'était. Parle-en. Vas-y, justement. Ouais, mais c'est long, hein, il y a beaucoup à dire. Bah ouais, mais mec, on est là, on est en live, ça va bien se passer. Bigfoot, tout simplement, qui est quand même. Ouais. Alors, moi, je connais pas Bigfoot. Enfin, je connais de nom, mais je connais pas l'histoire de Bigfoot. C'est un énorme foutoir. Bah, justement, si tu veux en parler, fais-toi plaisir, parce que bah, je pensais l'évoquer, et je me suis dit, ouais, non, ça prend 3 heures minimum. Ouais. Et ouais, il y a tellement de trucs à dire, c'est un peu comme la bête du Gévaudan, il y a vraiment des vraies études qui sont sorties dessus, etc. Enfin, on n'a pas le temps, il faudrait un autre truc. Bah déjà, parce qu'en plus, il y a la confusion Bigfoot, Yeti, et du coup, t'as plusieurs Yeti différents, enfin, c'est un micmac. C'est un micmac, mais si t'es chaud, si ça dit les gens, on peut faire un... Parce que justement, c'est ce que je disais en introduction, on peut faire un live, parce que... un live spécial sur le Bigfoot, quoi, à l'occasion, quoi, pourquoi pas, parce que effectivement c'est un peu, ça demande quand même beaucoup d'angles. Ouais, grosse partie, parce que c'est une grosse mystification après le... Bah si tu veux même nous la résumer, t'es le bienvenu, il n'y a pas de... Parce qu'il y a des... Je connais pas trop la partie, la partie cryptozoologie, c'est juste que c'est censé être un très grand singe qui vivait en Amérique du Nord, si je me rappelle bien. Et là, où il y a la fameuse photo là, qui a tourné. Ouais. Et... Ouais. Ah, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ça ressemblerait à un gorille ou alors un mec dans un déguisement, mais le mouvement de son genou, il est trop bizarre pour que ça soit fait par un humain. Enfin, c'est un bordel pas possible. Et tout ça, en paléontologie, on s'y est intéressé parce que ça correspondrait au Gigantopithecus, donc qui serait un. C'est pour résumer, vraiment résumer vite fait. Hein. Un orang-outan, mais qui faisait 2-3 mètres de haut, quoi, donc un truc mastoc. Et qui aurait pu, et qui vivait en Asie. Et comme une époque, l'Asie et l'Amérique du Nord étaient souvent reliées par le détroit de Bering, il aurait pu migrer jusque là-bas, et ce qui aurait donné la légende du Bigfoot, en gros. Mmh. C'est le genre de théorie qui est possible, quoi, au final. Parce qu'on voit comment les mythes et récits. Hein. Influence surtout au fil des siècles les figures des Maoris. De ce que j'ai compris, le Bigfoot c'est la version occidentale, mais les peuples de l'Amérique du Nord, enfin les Indiens quoi, en gros, ils parlaient déjà du Sasquatch qui avait à peu près la même description. Il y a ceux qui étaient là avant et les colons qui sont arrivés qui parlent de la même chose, ouais, c'est quand même bizarre.
Mais du coup, c'est une espèce, l'espèce d'énorme gorille dont tu parlais, c'est une espèce qui est censée avoir disparu il y a super longtemps ou pas si longtemps? Oui, il y a très très longtemps. Alors, j'ai plus encore les dates, hein, parce qu'on parle de millions d'années. Hein. Ouais. Mais ouais, c'est... Mais en fait, on le connaît que... Enfin, de ce qui reste, c'est que des fragments de mâchoire et des dents, mais qui sont énormes. Donc après, potentiellement, on fait le rapport entre ce qu'on a trouvé et ce qui existe encore, donc ce qui est le plus proche, l'orang-outan, mm-hmm. et ça donne ouais, un orang-outan qui fait debout, qui fait 3 mètres de haut. Quoi. Et pour avoir terrifiant. Ouais, et pour avoir eu entre les mains le moulage de la mâchoire qui sert de référence, ouais, c'est énorme. La mâchoire, je crois, c'est la taille de ma tête. Après, c'est un herbivore, donc il avait directement des plus grosses mâchoires. Ah, ouais, ouais, mais... Un humanoïde, imaginez déjà, un humanoïde de 3 mètres, je regarde, je compare avec le plafond, c'est plus gros. Ça doit être... merci. Avec le gabarit en plus... Mais après, le truc, voilà, c'est que c'est un orang-outan... Enfin, rapproché aux orang-outans, les orang-outans ne peuvent pas se lever, donc ils seraient quand même plus petits, mais ça serait quand même un gros machin. Oui, parce que c'est vrai que dans la figure du Bigfoot, on imagine vraiment un bipède humanoïde, vraiment comme qui a presque une démarche d'homme, quoi. Avec un grand H, c'est pour ça aussi que ça suscite beaucoup le débat. Moi, ce que je remarque dans les cas de cryptides les plus connus, et même certains qu'on a explorés ce soir, c'est que ce qui se dégage et ce qui crée un peu le sujet, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce qui crée un peu le sujet aussi sensationnel qui fait que c'est repris partout, c'est que on prête aux cryptides des caractéristiques qui ressemblent à un groupe connu, mais il y a une ou plusieurs anomalies qui sont presque inexplicables, qui font que ça colle pas et qui du coup en viennent à créer une soit un mythe assez proche de la version finale comme bête du Gévaudan, bête des Vosges, etc., soit des créatures beaucoup plus mythologiques comme alors pas forcément le Bigfoot, mais comme je sais pas les sirènes par exemple, ou ce genre de créatures où on est beaucoup plus dans la mythologie, mais qui peuvent ensuite qui ont été extrêmement déformées, quoi. Ouais, et puis il y a beaucoup de créatures mythologiques, en fait, on arrive, enfin, c'est pas une preuve, on pourra jamais le prouver, mais il y a quand même beaucoup de bestioles mythologiques où on se dit, c'est peut-être des gens qui ont trouvé des fossiles de bestioles disparues et ils ont rapproché ça avec beaucoup d'imagination. On en revient aux dragons avec les autres dinosaures ou les cyclopes, qui étaient beaucoup dans la mythologie méditerranéenne. Et en fait, sur pas mal d'îles méditerranéennes, à une époque, il y avait des mini-éléphants. Bon, très vite résumé, mais des mini-éléphants. Et je sais pas si vous avez vu à quoi ça ressemble, un crâne d'éléphant. Ouais. C'est un énorme truc avec un trou au milieu, parce que c'est là où il y a la trompe, avec la mâchoire en dessous. Et du coup, oui, c'est vrai que ça fait un peu un cyclope. Ça fait un peu une tête humaine et surdimensionnée, un trou au milieu et des dents en bas. Du coup, on se dit, peut-être qu'ils sont partis de ça en disant, ils ont inventé le mythe du cyclope. Ou même le griffon, il ressemble, qui est né, alors je sais plus où c'est, il est le né, mais le griffon. Ah non, le griffon, je parle du griffon, en fait, on voit un espèce de truc à quadrupède, avec une tête, avec un bec, etc. Et en fait, il y a des dinosaures qui ressemblent vachement, qui sont quadrupèdes, qui ont un bec, qui sont apparentés au Triceratops. Et du coup, c'est vrai que quand tu regardes le crâne, ils avaient une espèce de collerette, et ça fait des espèces d'énormes trous dans les collerettes. En regardant ça, tu peux mettre un œil, un bec, et ouais, ça fait une tête de griffon, en fait, sur un corps quadrupède. Du coup, il y a plein de trucs comme... Ouais, c'est trop intéressant, parce que c'est des bêtes que nous, on connaissait pas, qu'on connaît plus maintenant, et que même dans l'Antiquité, c'était des choses qu'on ne pouvait pas avoir, je sais pas si je me trompe, mais un truc quadrupède avec un bec... Bah, on en a plus, hein, donc ouais. Un ornithorynque. Oui, encore, c'est pas un bec, donc mais là, je suis chiant. Mais si, on a les dents quadrupèdes et qui ont un bec, mais elles sont facilement reconnaissables, parce qu'il y a les carapaces. Ouais, ouais. Puis là, j'imagine que c'était une bête qui était quand même d'une grande ampleur. Bon, pas si grand, mais on a un truc qui fait 2 mètres de long, donc... Ouais, oui, quand même, c'est de la belle bête. Pareil, je suis en train de penser au bec, mais les calamars géants aussi, on retrouve les becs, des fois, parce que tout le reste pourri, mais le bec, il est solide. Du coup, des fois, on retrouve que le bec. Alors, imaginez si, dans le temps, un mec se balade sur la plage et il voit un énorme bec posé quelque part. Oui, forcément, il doit se dire, c'est quand même bizarre, ça. Sans voir, c'est un gros oiseau. C'est intéressant, sur de la paléontologie, parce qu'au final, on a des preuves, finalement, matérielles, qui, en plus, qui peuvent être datées et qui, du coup, peuvent permettre, ensuite, si tu croises avec un peu
de sociologie et un peu de mythologie qui permet d'un peu de en tout cas donner une théorie crédible, qui évidemment n'est pas une preuve irréfutable vu que des fois c'est compliqué de savoir réellement, mais qui en tout cas donne une version qui est largement plausible, quoi. Et c'est super intéressant, hein. C'est pour ça que je trouve ça passionnant, moi, la crypto, ça mêle vraiment toutes ces disciplines là, quoi. C'est un mélange de science et de... Il y en a qui parle de la tarasque dans le chat. Ouais, la tarasque, c'est aussi une créature du folklore français, il me semble, hein, si je me rappelle bien. Donc c'est ouais, je crois que c'est occitan, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Tarascon, c'est la ville de Tarascon, ah, oui, vient oui. du Tarasque, et je crois que c'est en Occitanie. Oui, oui, c'est. Oui, oui. Il me semble, hein, j'ai lu un petit peu dessus, mais là c'est deux têtes, quoi. C'est deux têtes. C'est assez drôle. Bon, alors, aucune idée d'où vient ce truc, parce que toutes les illustrations que j'ai vues, c'est un espèce de machin avec une carapace de tortue, des griffes, enfin, je sais pas d'où ça vient, mais je sais juste qu'il y a quand même un dinosaure qui a été nommé le Tarascosaure, par rapport à ça, et ça c'est beau quand même, j'ai envie de dire. Ah mais c'est génial, parce que c'est aussi du coup les mythes et légendes qui influencent un certain regard sur la paléontologie, quoi. Ça, c'est... Il y a pas mal d'espèces, ouais, qui ont été nommées par rapport à des trucs... Ah oui, effectivement, c'est une espèce de tortue chelou. Ouais, c'est un tortanque, le truc. C'est un peu particulier. Non, mais. Ah, mais oui, c'est un tortanque. Ouais, c'est assez spéco, ça. C'est assez particulier. Moi, j'avais une question, mais je sais pas si c'est ton domaine. Je suis toujours assez fascinée par l'art pariétal. Et il y a plein d'animaux chelous qui sont représentés dessus. Et du coup, c'est un peu les. Enfin, pour moi, c'est des sortes de cryptides dans le sens où c'est des animaux que je connais pas. Et je me demandais s'il y avait des animaux comme ça dont on ignore encore, parce qu'on n'a pas retrouvé, par exemple, de traces d'ossements, mais qui pourtant ont été peints quelque part, quoi. Alors, l'art pariétal, oui, il y en a un peu partout, ouais. Mais tout ce qui est en Europe, on sait à peu près à quels animaux ça correspondait. Mm-hmm. Des mammouths, hein, parce que quand des hommes préhistoriques dessinaient des éléphants en Europe, on doutait bien que c'était pas des éléphants comme on connaît maintenant, hein. Du coup, quand on a découvert le mammouth, on s'est dit, ah bah tiens, oui, ça doit être ça, tout simplement. En Australie, il y avait des trucs aussi assez impressionnants, genre un varan qui faisait 7 mètres de long. Voilà. Je crois qu'on a retrouvé des espèces de sortes de dessins qui représentent un énorme lézard, donc ça pourrait être ça. Et il y a pas longtemps, mais vraiment pas longtemps, genre il y a quelques jours, quelques semaines. Oh. Il y a alors ça existe depuis longtemps, mais de l'art pariétal qui a été retrouvé en Amazonie. Et il y a alors je sais plus combien il fait, mais c'est énorme, je crois 12 mètres de haut, et où il y a plein de peintures, du coup de bestioles, mais qui à l'époque nous paraîtraient improbables, genre des paresseux géants qui marchent sur deux pattes, etc. T'as l'angoisse. Non, en fait, non, ils vivaient avec eux, donc pour eux c'était normal. Après, je vais rechercher. Ça doit être trop drôle, le paresseux domestiqué est gigantesque. Ah oui, non, mais quand je parle de paresseux géant, le Megatherium, c'est. Je sais plus combien il fait, mais c'est monstrueux. Megatherium. Je vais pas dire de bêtises parce qu'en plus. Hein. L'espèce Megatherium americanum était un animal de long de 6 mètres pour un poids d'environ 4 tonnes. Donc voilà, vous imaginez, apparenté aux paresseux, mais ils ressemblent pas à nos paresseux, parce que nos paresseux... Bon, je pense que moi, ils ont survécu juste parce qu'ils sont très feignants, et ils ont raison. Ils étaient apparentés aux paresseux, sauf que ouais, ça faisait 6 mètres de long, et une fois sur les pattes arrière, ça doit faire 5 mètres de haut, quoi, un truc... Oh là là. Mais c'est marrant, pourquoi est-ce que tous les animaux, avant, ils étaient vachement plus gros? Alors, ça, c'est une question toute con. C'est une idée reçue. Non, j'en parlerai un jour en vidéo, mais c'est une grosse idée reçue. Je suis profane, désolé. Non, c'est pas grave. C'est que en fait, nous, on prend ce qui est, comme on dit, les animaux d'avant. Du coup, on parle d'avant l'humanité. Sauf qu'on est là depuis, je vais pas dire de bêtises, mais on est là depuis quelques millions d'années. C'est pas bon. Oui. Comparé oui. aux 100 millions d'années avant, où on commence à voir les premières formes. Complexe, on va dire. Et du coup, en fait, on n'est rien comparé à tout ce qui s'est passé avant. Donc, tous les animaux géants dont on parle, en fait, ils sont espacés normalement sur l'histoire de la Terre. Certes, mais il y a plein d'animaux qu'on connaît, nous, qui avaient des ancêtres dans des formes... Je refuse, parce que ça me terrifie. Je refuse qu'on parle de l'air où tu as des insectes géants et tout. Non, déjà, j'aime pas les gens. Ça me révulse. Et voilà, et en fait, je pense qu'aussi, ça vient de là, parce que oui, il y a une période où, oui, il y avait plus d'oxygène que maintenant. Genre, je crois qu'aujourd'hui, on a 21% d'oxygène dans l'air.
Et à l'époque, enfin à cette époque-là particulière, c'était plus autour de 31%. Donc tu te dis 10%, c'est rien. Si, c'est énorme en fait. 10% d'oxygène en plus, c'est énorme. Et du coup, comme beaucoup d'insectes actuels respirent par la peau, du coup, plus il y a d'oxygène, ils peuvent se développer. Et du coup, c'est pour ça qu'il y Quel a enfer. les insectes géants, même si c'est pas vraiment le cas. Mais... Ah, c'est pas plus mal parce que les moustiques, déjà, ils sont bien relous à l'échelle qu'ils ont maintenant. Voilà, ça marchait surtout pour certains de la libellule et qui faisait 75 cm d'envergure, quoi. C'est bête. Ouais, non, ça va, laissez-nous tranquille. Non, l'angoisse du truc. Après, ouais, tous les animaux géants dont on parle, qui seraient ancêtres des nôtres, non, en fait, c'est juste, ils sont apparentés à des animaux qu'on a maintenant, mais ils n'ont aucun lien phylogénétique, on appelle ça, entre eux. Ok, donc c'est juste un raccourci. On pense paresseux parce qu'il ne reste plus que ceux-là, mais en fait, c'est pas les mêmes. Les Ouais. paresseux, donc, on connaît déjà, ils existaient déjà à cette époque-là. Eux, ils ont survécu, les paresseux géants, non. Et pour finir avec ça, donc sur les 500 millions d'années à peu près, hein, plus que ça, hein, où il y a eu toutes ces bestioles improbables, et nous on est là depuis quelques millions d'années, on a quand même l'animal le plus gros qui ait jamais existé, la baleine. C'est vrai. Et donc sur les 500 millions d'années, on vit quand même avec l'animal le plus gros qui ait jamais existé. Bon, peut-être pas très longtemps malheureusement pour elle, hein, mais quand même. Hein. La baleine est plus grosse que le mégalodon du film avec Jason Statham. Non, mais je me demande. Parce que j'ai pas osé le regarder. Enfin, si, j'ai commencé, j'ai pas réussi. Mais non, le mégalodon, je pense que c'est un cryptide à lui tout seul. Hein, tellement. Étant donné qu'on retrouve que les dents, puisque c'est tout ce qui se fossilise des requins, bah, je te laisse imaginer comment on peut extrapoler à partir de quelques dents, quoi. Donc ça Mais peut ça se donner trouve, un. il avait des super grosses dents, mais c'était un petit poisson, quoi. Le pauvre. Ouais, non, dans tous les cas, de toute façon, il va être énorme. Hein, ça, on est d'accord. De toute façon, pas de On le problème, met on a Jason Statham. 15-16 mètres de long, ce qui est déjà pas mal. Un requin de 15-16 mètres de long, c'est deux fois plus gros qu'un requin blanc. C'est déjà pas mal. Ouais. Ouais. On s'en passe bien. Ah, l'angoisse du truc. Alors, en tout cas, je pense qu'on peut tous dire que la nature regorge quand même de créatures fantastiques en tant que telles. Non, mais en vrai. Non, Non, mais mais. c'est vrai, j'ai mis pas de problème. Mais non, mais. Non, mais Enfin, oui. c'est quand même. Bon, bref, c'est. J'ai vraiment émerveillé de n'importe quoi, c'est bon. Non, mais je trouve ça assez fou que déjà dans le règne animal, on ait des créatures qui est, enfin des animaux qui ont des capacités, qui sont des super pouvoirs quoi, pour nous. Et le fait d'avoir encore derrière la cryptozoologie qui nous permet d'imaginer des choses encore peut-être plus fantastiques ou plus irréelles, on va dire, ça ouvre encore une autre porte dans un monde qui est déjà en soi extraordinaire, quoi, je trouve. En plus, en général, les trucs qu'on estime irréels, dont on s'inspire pour faire des créatures de fiction, etc., en général, c'est juste des trucs qui existent déjà dans la vraie vie, mais pas très connus, ou juste extrapolés. Genre C'est ça. Alien, dans les films Alien, en fait, c'est dégueulasse. Mais en fait, il y a plein d'insectes qui se reproduisent comme ça. On l'a juste mis plus grand sur une bestiole dans l'espace, et puis c'est bon. Hein. Et ça fonctionne très Donc bien on est bien, d'ailleurs. en tant que mammifère, on est bien. On va pas trop se plaindre. C'est clair. C'est clair. Bah, c'est vrai que merci, merci pour d'avoir préparé à ce live, pour tes éclaircissements et pour ton angle paléo qui est super intéressant. Est-ce que t'as une actu, toi, là, une vidéo qui sort, un petit projet, un teaser, un message à faire passer sur ton actu? Déjà, je voulais vous remercier pour l'invitation. Alors, je regarde la caméra qu'elle a quand même, c'est plus pratique. Et bravo aussi pour ton projet. J'ai vu qu'il s'est fait financer à je sais Ouais, plus bah combien. merci. Ouais, bah là on a On a passé le dépassé cap. les 35 000 ce Ah, soir. incroyable. Bah merci à tous et bah merci aux gens surtout, hein, c'est les gens qui soutiennent, donc nous on exécute, Ouais. mais enfin. Et, ouais, je te reparlerai peut-être parce que projet de livre, ça pourrait me parler. Je dis ça, je dis rien. Ouais, carrément. Carrément, Mais du coup, carrément. Non, juste j'ai tourné une vidéo juste avant de venir là, donc mais en fait je vais la retourner, donc je peux pas vous dire sur... Ah. pas vous dire quand est-ce qu'elle sortira ou quoi que ce soit. Tu gardes le thème secret, le sujet secret? Non, c'est juste un fossile assez connu qui met en scène deux dinosaures qui se battaient, qui ont été retrouvés comme ça l'un dans l'autre. Oh. Ouais, c'est quand même assez intéressant. Ok. Trop bien. C'est pas pour tout Merde. de suite. J'ai déjà connu ça, malheureusement, c'est très très chiant. Mais ouais, non, mais merci. Abonnez-vous. Et bah oui, non, mais bah déjà, oui, non, mais déjà, les modos, évidemment, repasser sa chaîne Cédric Jurassic, j'invite tout le monde à aller faire un tour. Nous, moi, en plus, pareil, hein, t'es dans les personnes avec qui j'aimerais beaucoup faire une collab. Bon, le Covid,
nous empêche, on va dire, de collaborer dans un futur même proche, mais heureusement qu'il y a les lives qui permettent aussi d'avoir une première approche et du coup aussi de, voilà, de faire découvrir aux gens qui ne connaissaient peut-être pas forcément l'univers de ta chaîne, sur lequel il y a pas mal de parallèles intéressants à trouver avec tout ce qui est, que ce soit crypto, paranormal, etc. Il y a beaucoup de points intéressants à faire. Ouais, moi, je suis le côté chiant, je suis le côté rationaliste, tu vois. C'est bien beau, tout ça, mais en fait, c'est juste ça, tu vois. Ouais, c'est ce que je veux, moi, c'est confronter les points de vue pour qu'il y ait le débat, quoi. Parce que si on est tous en train de dire, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, oui, c'est vrai, ouais. Bon, c'est cool, mais autant confronter les points de vue et les opinions, tant que c'est dans le respect de croyances, enfin, des arguments de chacun. Je peux faire vite faire une pub, entre guillemets. Bien sûr. Je le reprenne, d'ailleurs. Où je parle de l'origine de certaines créatures, bah, ça peut être mythologique, ou même dans les jeux vidéo, j'ai commencé par Pikachu, quoi. Sachant que Pikachu, et en fait, c'est plus intéressant qu'on le croit. Ou Alien, je pourrais parler d'Alien aussi, ou des bestioles dans Le Seigneur des Anneaux. Bon, maintenant, j'ai fini à écrire, enfin, j'en ai déjà pas mal prévu, mais... Lance-toi. Général, on fait assez facilement le rapprochement entre notre imagination et ce qui existe déjà. Non mais fais-le et tourne-le, parce qu'en plus, voilà, je trouve que tes formats sont efficaces et adaptés à YouTube. T'arrives bien à mêler à la fois le côté pop et le côté science un peu plus dur qui fait pas forcément rêver les gens. Donc c'est cool, c'est vraiment bon boulot. Et encore une fois, voilà, Cédric Jurassic, allez tous voir et découvrez et suivez, parce que j'espère qu'en 2021, on aura l'occasion de faire une vidéo en bonne et due forme, du coup. Voir un peu redémontrer. J'espère aussi. Croise les doigts. Si on finit un jour par ressortir de chez nous, espérons. Pour moi, en tout cas, c'est une belle rencontre, puisqu'on a convenu qu'on allait faire une vidéo tout nu bientôt pour le rec. Ah, allez, mec, je laisse voir ça entre vous. Hein. On va attendre le confinement, là, mais bon, qu'il fasse un peu plus chaud aussi, mais après, ouais. Ouais, pas de souci. Été 2021, mec, on est tout nu. Ouais, prenez le temps de réfléchir au projet, quand même, avant ça. Quand on est chaud, faut y aller. Je vais faire une petite vidéo là-dessus ou sur le Nagi Chabra, le Nagi Chibri, allez-y. Copyright, allez-y. En tout cas, voilà, nous, je pense qu'on va se quitter avec la chronique de Pierre dans quelques instants. Oh, quelle belle fin. Ah, ça va être magique. Alors là, ça va être magique. Cédric, on te laisse quitter le lien. Nous, on va basculer sur la suite. On va finir tranquillement et on rebalancera évidemment tes réseaux encore une fois en fin de live. Donc encore un grand merci pour ce live crypto. Ouais, alors par contre, j'ai une dernière question juste avant de partir. Ouais, comment tu le fais pour barrer? Donc, tu as juste à fermer la fenêtre. Ouais, bah c'est déjà fait, je suis encore là. Ah. La coquine, d'accord, je ne la voyais pas. C'est bon, elle est là. C'est bon. Bonne soirée à vous. Et puis, bah, toi aussi. Bonne soirée. À très vite. Ciao, ciao. Ciao. Donc, c'était une belle rencontre. Ouais, non, mais c'est vraiment, voilà, vraiment très cool. En plus, humainement, c'est quelqu'un de super sympa. On s'est rencontré à Necronomicon, donc ça date pas de longtemps. C'est en février que je l'ai rencontré. Je connaissais déjà son travail par Occulture. Big up Occulture. C'est grâce à eux que j'avais connu le boulot de Cédric. Donc, je suis content qu'on l'ait accueilli pour ce live. Bah, écoute, Pierre, je vais te laisser à introduire. On est tout oui. Ouais, je suis super chaud. Alors, parce qu'il y a un truc, je sais pas s'il y a des gens qui regardent de temps en temps la grotte chaude ou qui ont assisté un peu au. De temps en temps, parce que voilà, Pierre, il y va à fond, il se donne à fond. Des fois, il trouve des sujets ou des vidéos ultra obscures et soit le doublage. Là, c'est pas très obscur. Mais justement, mais même là, tu t'es donné à fond parce qu'en général, des fois, soit il sous-titre, soit il va carrément redoubler de lui-même les voix. On l'a notamment vu pour certains reportages de. C'était quoi? C'était le Poltergeist d'Enfield. Le Poltergeist d'Enfield, il avait redoublé des voix. Du coup, ça donne un. C'est fantastique. En fait, il faut savoir que mon travail, c'est d'écrire toute la journée. Et du coup, parfois, quand le soir, il s'agit de traduire un truc, bah, j'ai la flemme de continuer à écrire. Alors même si ça prend plus de temps de faire des voix, je préfère faire des voix. Sauf que je fais toutes les voix tout seul pour un seul reportage. Donc voilà. Mais, mais je respecte le contenu. Je le dis pour les gens qui mettent des commentaires en disant que je respecte pas, je respecte. Simplement, je ne peux pas faire des voix naturelles. Il faut que je fasse des voix un petit peu exagérées. C'est un talent d'acteur. Non, ça je l'ai pas, mais je fais des voix.
Du coup, ça crée une forme d'art à toi tout seul. Mais vas-y, parle-nous de, bah, d'accord. Parle-nous alors, de donc, ta chronique. Je vais vous parler d'une vidéo qui a... Attendez, je vais mettre ma tête en grand, voilà. D'une vidéo qui a percé sur Internet en juin 2019. On pourrait même dire, si on était vieux et qu'on travaillait dans la com, qu'elle a cassé Internet. Cette vidéo, elle a été publiée par une habitante d'une petite ville américaine du Colorado. Et dans cette vidéo, on voit une étrange créature particulièrement agitée qui circule à côté d'un... Enfin, qui évolue à côté d'un pavillon de banlieue, on va dire. Cette vidéo, elle a cumulé donc plusieurs millions de vues et elle peut faire froid dans le dos. Je ne sais pas. Je vais vous laisser juger. Je vais vous montrer d'abord la vidéo telle qu'elle a percé sur Internet. Et ensuite, on creusera ensemble le sujet. voilà. Pour le moment, je ne fais pas de voix. On regarde juste la vidéo d'origine. Vous avez vu donc la fameuse vidéo qui est la vidéo buzz de l'été 2019, on pourrait dire toujours si on était vieux. Alors, peut-être que vous vous demandez pourquoi cette vidéo a autant marché, et peut-être que vous l'avez déjà remarqué, peut-être que vous l'avez déjà vu d'ailleurs, mais en fait, si elle a autant percé sur Internet, cette vidéo, c'est parce que la créature ressemble beaucoup à... C'est Toby, c'est ça ? C'est Dobby, excusez-moi, parce que je suis vieux, j'ai pas trop regardé Harry Potter. Mais oui, donc il y a Dobby, le personnage d'Harry Potter. Et peut-être que vous êtes nombreux sur le chat à l'avoir déjà vu, cette vidéo, mais je pense que vous êtes moins nombreux à connaître l'explication de quelle est cette créature, d'où est-ce qu'elle vient. Du coup, pour vous, ce soir, j'ai déniché un reportage de la télévision américaine, donc que j'ai entièrement traduit avec ma voix afin de faire éclater la vérité. Donc, je vous le précise, lanceur d'alerte. 95% des voix sont doublées par moi-même. Donc, sachez que dans ce reportage, il y a des vieux monsieur, des enfants, des dames. Donc, j'ai utilisé des filtres de piètre qualité parce que j'ai pas de budget. Donc, voilà, vous aurez des voix un peu de merde. Mais sachez, pour les gens qui m'accusent de ne pas respecter le paranormal, que j'ai gardé le contexte. Je n'ai pas, je n'ai pas rajouté de bêtises sur ce que les gens disent. Je me suis contenté de traduire. Alors, peut-être que j'ai pris des voix de merde, mais en attendant, le texte est le texte d'origine. Voilà, vous allez découvrir, et nous allons découvrir tous ensemble le mystère de Dobby. Petite créature. Alors, attendez, c'est parti, on y va. Je vous précise que j'ai rajouté un générique au début et à la fin, parce que je suis un peu créatif. Alors, allons-y. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une ce soir, une vidéo virale à 11 millions de vues filmée par une caméra de surveillance à La Junta dans le Colorado, sur laquelle on peut voir une étrange créature d'origine totalement inconnue. Apparemment, il y a une habitante qui a capturé une stupéfiante vidéo avec la caméra positionnée sur son palier. Dans cette vidéo, on peut voir une créature alien ou autre qui semble sortir de ce que je croyais être l'une des portes de sa maison. Lorsque cette habitante de La Junta a visionné ce qu'elle avait enregistré avec sa caméra de surveillance la veille, elle est tombée des nues. Je pense que ça a ouvert la porte. D'après ce que je vois sur la caméra, on peut voir une ombre qui avance puis qui s'arrête devant la voiture et qui fait une petite danse. Ma caméra n'enregistre que 10 secondes, donc elle s'est arrêtée à ce moment-là. Et dans la petite ville de La Junta, cette vidéo fait déjà beaucoup parler. Très franchement, je pense que les gens deviennent un peu dingos. Je suis très franchement très effrayé. Je pense qu'on devrait s'organiser. Sur les internets, les internautes pointent du doigt que cette créature ressemblerait
à Dobby de Harry Potter. Je l'ai vu et je me suis demandé, est-ce que c'est un alien? Frère, j'ai jamais rien vu comme ça, ça m'a trop fait flipper. Nos journalistes d'investigation se sont rendus sur les lieux, à la résidence de Viviane Gomez, où elle vit avec son fils de 9 ans, Bobby. Notre reporter Cindy s'est demandé si Bobby ne pourrait pas être la créature. Bobby, est-ce que c'était toi dans la vidéo? Non. Sûr? Ouais, je suis sûr. À 100%. Mais Bobby a un alibi. Il dit que ce soir-là, il était avec sa maman en train de regarder la télé lorsque la créature a fait la danse du poulet au milieu de la nuit. Mais notre journaliste a voulu vérifier. T'es sûr que c'était pas toi en train de danser avec un slip sur la tête? Ah bah oui, j'en suis sûr. Principal suspect dans cette affaire, Bobby préfère accuser Montana, la petite voisine d'à côté. Elle le fait vachement mieux que moi. Mais Montana dément formellement. Et toi Montana, tu crois que c'était qui? C'est Bobby avec un slip sur la tête. Tu crois que c'était Bobby? Pour débunker cette affaire, Cindy a utilisé une technique de pointe. Alors, on va te mettre un slip sur la tête. On y va? Ok. Allez, vas-y, on te regarde. Sur les images filmées par nos reporters, vous pouvez voir Bobby faire la créature avec un slip sur la tête. Et à droite, vous avez la vraie créature. Alors, est-ce que c'est Bobby? Bon, Bobby, tu peux le lire, c'était toi. Non mais c'est pas moi sur la vidéo. Alors, ces mystérieuses créatures de l'ombre, est-ce un mythe ou une réalité? C'est à vous de voir. C'était vraiment très intéressant. Voilà. Et mec. Ah, je te déteste. Donc, merci de m'avoir rappelé cette époque lissage brésilien. Non mais voilà, moi je vous laisse seul juge puisque voilà, nous avons vu toutes les images qui étaient disponibles. Sachez que 3 mois, je crois, après la diffusion de cette vidéo, la maman de Bobby a dit que, elle a réaffirmé que ce n'était pas Bobby qui faisait Dobby. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le reportage, quand il joue au basket, on voit qu'elle a même fait imprimer des t-shirts. Est-ce que c'était Bobby ou est-ce que c'était Dobby? Donc, encore une fois, je ne veux pas vous influencer, mais je pense que la personne fait du business sur la question. En tout cas, voilà, c'est juste pour vous montrer qu'une vidéo qui peut devenir virale, faire 11 millions de vues avec une créature comme ça, on la regarde en qualité dégueulasse sur son smartphone en faisant « Oh, c'est chelou !» Et après, on creuse et on voit qu'il y avait un enfant avec un slip sur la tête, peut-être. Allons savoir. Mais voilà. Écoutez, ce soir, c'était pas vraiment une chronique. J'ai un peu triché, je vous ai fait un doublage. C'est fantastique. Tu nous as régalé. Mais moi, je n'avais pas le fin mot de l'histoire. Hein. Moi, je m'étais vraiment arrêté au truc. Que je pensais aussi. Je pense que beaucoup de gens ont juste vu la vidéo qui a beaucoup tourné, notamment sur des sites d'actu, mais aussi sur des sites de geeks, puisque ça ressemblait à Harry Potter. Du coup, pour avoir travaillé dans ce genre de site, on saute sur l'occasion pour faire du clic. Donc, je pense que peu de gens avaient eu l'explication. Et voilà, maintenant, la vérité est entre vos mains. Je suis étonné de à quel point juste un angle caméra différent peut donner vraiment l'illusion. Parce que moi, à la base, je pensais que c'était un déguisement. Quoi. C'était soit un déguisement, soit des VFX très bien faits. Et au final, c'est juste vraiment le gamin avec littéralement le caleçon sur la tête qui donne cet aspect-là. Quoi. Juste, mais vu que l'angle est un peu en plongée du dessus, ça a réussi à créer l'illusion. C'est assez saisissant. Mais en plus, tu te dis, genre, c'est vraiment une créature ultra maigrichonne. T'as pas l'impression que c'est un corps tellement. Enfin, t'as l'impression que c'est beaucoup plus impressionnant que juste le petit gosse tout mignon. C'est impressionnant. Bah après, c'est mignon. Enfin, oui, voilà, c'est mignon. On voit que c'est une blague potache pour eux. Oui, c'est ça, c'est mignon, quoi. Je suis étonné à quel point l'explication est vraiment aussi simple, quoi. C'est juste un angle de caméra qui varie, qui donne cette illusion de perspective. Quoi. Comme quoi, on peut facilement être trompé. Enfin, nos sens peuvent facilement être trompés avec. Avec un caleçon, finalement, on peut créer un monstre en se mettant un caleçon sur la tête. Je pense, essayez chez vous. En vrai, c'est une belle conclusion. On peut créer un cryptide juste en se foutant un caleçon sur la tête. En vrai, ça serait trop cool d'essayer de faire des cryptides. Non, mais vraiment, ça serait trop cool avec les gens du Discord, par exemple. Oui, pourquoi pas. Faire un concours, le meilleur cryptide que vous arrivez à faire chez vous. Vos caleçons. Avec vos caleçons. C'est le caleçon. Avec les éléments du quotidien. En vrai, ça peut être le challenge de la fin du confinement. Le cryptide confit. Le crypti. Le crypt.
J'essaie de lancer un concept, mais non, c'est nul. Confiptide. Le confiptide, ouais. Non, ça fait un peu. Ça fait confiture. Ouais. Bon. Non, de toute façon, le confinement, bon. Bon, à part, on peut partir sur le débat. En tout cas, non, mais cela dit, recréer des cryptides, etc., c'est ce qu'on avait vu dans la fin du live de la semaine dernière avec l'oiseau tonnerre, là. C'est que, bah, en tout cas, aux États-Unis, t'as plein de gens qui, du coup, s'amusent un peu à recréer un petit peu ces créatures emblématiques. Du coup, t'en as d'autres qui les inventent aussi. Je pense que d'ailleurs, ça fait une belle conclusion. C'est qu'au final, tout ça, il y a des gens qui. Enfin, ça nourrit d'imaginaire aussi. Ça nourrit notre inconscient collectif, notre imaginaire. On invente un peu de nouvelles créatures avec à partir de choses qu'on connaît ou d'éléments fantastiques, donc je trouve que tout ça c'est un petit peu interconnecté, quoi. Ou même si on parle pas forcément d'animaux qui existent réellement, il y a des ponts qui se créent et dans tous les cas ça stimule un peu notre imagination et ça peut nous pousser à chercher, donc c'est jamais perdu. Donc, c'est vraiment ça qui m'attire dans la cryptozoologie, en plus du côté scientifique, vu que j'ai pas une formation de scientifique, j'ai une formation littéraire, un peu plus tourné vers la narration, donc forcément, j'aime bien les ponts qui se créent entre les deux. En tout cas, merci Pierre pour ta chronique, je sais pas ce qu'on a pensé les gens, mais... Bah, ils étaient morts de rire, je pense. Hein. Mais sachez que je rigole avec des trucs comme ça, mais ceci dit, oui, comme tu le dis, je trouve que ça a un intérêt d'analyser un truc comme ça. Bon, après, je fais des voix, mais ça, je peux pas m'en empêcher, mais... je te tiens juste rigueur pour la petite fin, là, mais... Alors ça, tu aimes le pays, mais... Je l'ai mis au dernier moment, hein. J'avais fini la vidéo, je me suis dit, ça manque d'un à vous de voir. Touche, ouais, en fait, j'ai voulu commencer à faire un à vous de voir, et je me suis dit, attends, je vais regarder dans ces vidéos, j'ai trouvé une fin qui collait à peu près. Manque de bol, t'avais une coupe de merde dessus. Mais voilà, c'est comme ça. C'est un peu le running de cette chaîne, quoi. Ça va ensemble, hein, finalement. C'est à peu près tout pour le sujet des. Alors, encore une fois, c'était une ouverture. Non, mais parce que c'est une ouverture. Encore, on le redit pour ceux qui ont pris de live en cours, c'était une ouverture sur l'angle, du coup, des cryptides célèbres, notamment l'Internet. Donc, on a vraiment. On a fait une intro générale et on a dérivé là-dessus. La cryptozoologie, c'est extrêmement vaste. À défaut de refaire des lives, on verra, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura des vidéos sur certains cryptides et encore sur la cryptozoologie. Et la cryptobotanique. Et la cryptobotanique, exactement. Mais il y a un mélange de vidéos chroniques que je peux tourner dans mon décor et également de vidéos un peu d'ampleur où j'aimerais bien aussi aller me déplacer, tourner sur le terrain, même en France, tourner des petites choses. Donc ça demande un peu d'organisation et ça verra le jour au fur et à mesure. Là, ce live, c'était un peu une grosse ouverture pour redécouvrir cette thématique dont j'avais déjà parlé sur des vidéos sur la chaîne, mais elles sont un peu datées. Donc voilà, c'était un peu histoire de réactualiser tout ça. On le redit, mais le prochain live, c'est ce vendredi 21h minuit, gros live de conclusion du coup de notre campagne France Obscure qui a débuté fin octobre et qui va s'achever là maintenant ce vendredi soir. Encore une fois, un grand merci. On prendra vraiment le temps de vous remercier vendredi entièrement, mais bon, c'est assez. Faut quand même dire que voilà, on a levé maintenant plus de 35 000 €. On est exactement à 35 370 € pour 118%. Atteint sur la collecte. Donc ça veut dire que vous allez tous avoir le petit cadeau. Ouais, le petit cadeau des illustrations de Laura reprises. Voilà, tous les contributeurs l'auront. C'est génial. Mais voilà, je veux vraiment quand même le redire un petit peu, hein, sans faire de comment ça s'appelle de je sais plus quel est le mot. Non, pas du prosélytisme, mais de démagogie. Enfin, moi, ça fait 9 ans et demi que je suis un peu un dinosaure de YouTube. Hein. Ça fait 9 ans et demi que je suis sur ce site. J'ai vu la plateforme évoluer. Mine de rien, on avance un peu. Il y en a qui me suivent depuis le début, d'autres qui m'ont pris en cours de route. Mais voilà, c'est le projet au bout de 9 ans et demi qui clairement mobilise le plus, vous a le plus mobilisé et vous a le plus invité à contribuer pour faire exister ce projet. Vous avez mis de votre argent, surtout dans une période qui est quand même assez compliquée, donc merci, vraiment merci, et vous serez vraiment pas déçus, parce que on a vraiment hâte de sortir le projet, de vous montrer tout ça, quoi. Ouais. Mais on fêtera tout ça ensemble déjà ce vendredi avec un live spécial, où je le rappelle, vendredi minuit, donc samedi du coup, matin, vous allez découvrir un petit teaser pour vous remercier, qui vraiment va vous faire plaisir pour le coup, je pense que... voilà, ça va bien conclure ce long mois et demi de campagne, quoi. Ça va bien se passer. Donc le rendez-vous est pris. Voilà, après-demain on se retrouve, et la rediff pour ceux qui ont pris le live en cours sera dispo. Pour terminer, on remercie encore une fois Jensi Agency qui nous a permis aussi de faire 10e live déjà à Jensi.
Sur leur chaîne YouTube, là, récemment, ils viennent de remettre en rediff un live, mais s'il y a plein de gens qui aiment notamment la musique, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne YouTube, on va vous la passer. Regardez le live de Puissant Blaster, il est vraiment très très cool, il y a 2 semaines, c'est vraiment charmé. C'est de la musique un peu autre, mais à regarder en live, je pense que la musique prend tout son sens dans cette prestation live, plutôt que de l'écouter sur Spotify ou quoi. C'est vraiment un beau moment, c'est 30 minutes de vidéo, mais vous verrez pas le temps passer. Et c'est très bien pour vous endormir d'ailleurs, enfin, ça met dans un bon mood en fin de soirée. Ça pose bien, ouais, ça pose bien, et puis bon voilà, ce sont nos partenaires, on va évoluer avec eux, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils font. Et on rappelle, c'est dimanche, Rockstar Dracula... Rockula. Rockula. C'est sale quand on le dit, mais ouais, c'est Rockula dimanche à 16h sur le Twitch de la Grotte Chaude. Donc pareil, la Grotte Chaude, toujours, ce soir là, je fais du comment on appelle ça, De T'es l'homme sandwich. Ouais, c'est ça. Vous pouvez acheter ce t-shirt en allant sur la page Facebook de la communauté de la Grotte Chaude et vous cliquez sur acheter et vous donnez pas de l'argent à moi, vous donnez de l'argent au graphiste qui a réalisé ce t-shirt. C'était pas un prototype au final, ce t-shirt Non, le prototype, il est pourri, le prototype, je l'ai. Il est mal parce qu'on l'avait fait autrement. Mais là, si vous souhaitez vous le procurer, il est disponible avec un motif rose, un motif vert. Et surtout, bah, ça donne de l'argent à la personne qui a fait des affiches pendant 3 ans pour la Grotte Chaude, sans jamais être payé. C'est bon, Eric. Bah, d'ailleurs, pour ceux qui regardent, il y a une de ses œuvres dans le Dead Set. Qui a pris sa place dans mon décor, quoi. Donc voilà. Grotte Chaude, John Fee, comme d'hab, les partenaires, soutenez-les. Je le redis, mais bon, on est éclairé par Newer qui nous éclaire et qui nous équipe aussi en lumière. Donc très très cool de leur part aussi. Hein. J'aurais juste envoyé un petit mail, ils m'ont dit ah, t'inquiète, on t'envoie les lights. Donc c'est super gentil. Ça nous permet de faire évoluer le format et d'évoluer tous ensemble. On se retrouve vendredi 21h pour une soirée bien chargée. Ceux qui connaissent la chaîne et qui la suivent depuis longtemps, il y aura Aikilu avec nous pour nous parler de la grande époque jeux vidéo, Pingas, et voilà, pour parler un peu, avoir un petit échange. On parlera aussi paranormal avec certaines affaires qu'on aime bien. Ça va être un mélange un peu de tout, quoi. C'est une grosse rétrospective de la chaîne, donc on va passer par toutes les étapes. On finira avec Tolt, qui en a fait le format des curiosités, notamment. Si vous connaissez pas, regardez le plus récent sur la Creuse. Pour le coup, déjà, ça met en valeur le patrimoine français, le folklore français, qui est quand même vraiment extrêmement riche, et je suis content de pouvoir vous partager des tranches de patrimoine et d'histoire française comme ça. Et d'avoir pu produire vraiment une vidéo tournée sur le terrain, donc n'hésitez pas à aller voir les curiosités 2, comme ça en plus vous verrez ce que fait Tolt aussi, c'est formidable. Et puis on finira, voilà, on finira à minuit pour la surprise, vous serez pas déçus, croyez-moi les amis, mais j'en dis pas plus. Et merci les modos. Et merci, bah comme d'hab, non mais comme d'hab, qui font un travail de ouf, qui animent beaucoup le Discord. Je serai beaucoup plus présent sur le Discord une fois la campagne terminée. Là, c'est vrai que c'est un peu le marathon là, entre préparer tout ce qui est vidéo en avance, plus animer, enfin bon, voilà, animer la campagne, etc. Ça. Mais le Discord, heureusement, il vit bien grâce au modo. J'y jette toujours un œil de temps en temps, mais on va vraiment organiser des choses assez régulières. Et qui permettent d'avoir un chat safe et très très cool ce soir pour que vous puissiez discuter comme tous les soirs. Absolument, absolument. Merci. Mais du beaucoup. Coup, on termine en vous invitant à rejoindre le Discord, qui est donc la communauté de la chaîne où tout le monde se retrouve et on parle de tout un tas de sujets. C'est assez cool et on va essayer d'organiser des choses de plus en plus souvent pour, voilà, pour continuer de faire vivre un peu la chaîne, quoi. Que vous faites tous vivre, qu'on fait tous vivre, et on célébrera ça tous ensemble après-demain, du coup. Les 9 ans et demi de la chaîne, quand même, on est bientôt aux 10 ans, mine de rien. C'est assez magique, hein. Moi j'ai pas d'autres mots, c'est vraiment cool, mais bon, on en parlera vendredi, je vais pas plus m'étaler là-dessus. Est-ce qu'on finit avec une petite transition, comme on sait si bien les faire? Ah, un petit jingle. Ouais, régale-nous avec un jingle. Pas d'ASMR ce soir? Non, ça va aller, ça va bien se passer. Est-ce que tu pourrais doubler cette personne? Attends, qu'est-ce qu'il dit souvent? Fake news! Make America great again. Ça fera plaisir à Younes. On se quitte. On se quitte avec un jingle, n'est-ce pas, n'importe lequel. Je sais pas, il y en a. De toute façon, ils sont
Il y a la personne qui met la photo de Donald Trump et les jingles dans l'appareil, on a enlevé. Donc je... Oh non! Oh. Bah, je sais pas, il y en a plus que trois. Bon, bah, ce sera. Je vais mettre le premier, je crois que tu l'aimes pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Et bah, bonne soirée, des bisous. Salut tout le monde. Merci de nous avoir suivis et puis voilà, et d'avoir accompagné nos digressions finales. Bisous. À vendredi. Et voilà. Make folklore français great again. Yes. N'hésitez Faites pas, vivre le folklore français. Faites vivre le fantastique français. Et courez avec vos slips sur la tête. Mais grave. Trop, le goal de 2021, c'est de faire une vidéo virale comme ça, en mettant un énorme caljou. Ce serait génial. Bon, allez, je merde. Ouais, bah, Pierre, on te laissera expérimenter. Très bien. Prototype. Hein. Non, mais je vais faire un truc avec Cédric. Allez, allez sur ce, je dis bonne soirée. Ah non, il est pété.